messieurs, bonjour, bonjour, bienvenue sur OTP, bienvenue dans le début de ce week-end intensif de League of Legends au niveau du championnat européen. League of Legends toujours à l'honneur, bien sûr, sur OTP. Vous avez certainement pas loupé le BO de LCK ce matin qui était absolument dantesque. Ce week-end donc en LEC, la phase de play-off continue. On n'ira pas jusqu'au bout, mais on va avancer, on va commencer à goûter au best of 5. Mais pas ce soir, évidemment, puisqu'on a encore deux BO3 à se mettre sous la dent avec quatre équipes qui vont donc jouer leur destin. Bienvenue dans le pré-show, on va vous mettre en condition durant les 30 prochaines minutes. Je suis accompagné aujourd'hui de Robalas et Marex. Marex, on va commencer par toi, mon cher Rexmar, parce que déjà, tu nous bénis de ta présence, mais également de la présence d'un de tes plus fidèles acolytes et ouais. Abonnés. Ouais, c'est bien ça. Bah écoute, je suis content de casser les games aujourd'hui, un bon petit programme. Mais en dehors de ça, on tanque un peu pour le stream, étant donné que je suis sorti de chez moi sans prendre mes clés. Je me suis enfermé dehors avec mon chien et je suis du coup venu avec lui ici aujourd'hui. Mais ça va, il est content. Là, il y a Tréton qui s'occupe de lui. Ils s'entendent bien. C'est merveilleux. Un petit commentaire, Roba. C'est déjà arrivé, toi, de te auto-keblo dehors comme ça? Ça m'est arrivé. Bah là, maintenant, on est dans une maison avec Aldé en coloc. Donc ça va, il n'y a pas le problème, c'est de la porte qui se claque où tu peux pas ouvrir. Mais, ouais. Mais ça m'est déjà arrivé. Ouais. Et la facture du serrurier m'est toujours très bien. Mais très bien. Pour qu'il passe juste une radio dans ta porte. Tu nous tiendras au courant, Marex, de l'issue. Comment ça va, Roba, sinon? Moi, j'attendais un PC ce matin, celui de ma copine. Ouais. J'ai payé 80€ de livraison pour qu'il arrive avant 9h et il arrivait à midi. Donc 80€ pour un ordinateur, pas non plus pour un canapé ou un lave-linge. Non, un ordi, quoi, ça va encore. Et du coup, ça s'est bien passé. Midi. Du coup, je n'ai pas pu live aujourd'hui. Pas loin de 100€, c'est ça? Mm-hmm. Ah, ok. Pas mal, pas mal. Du coup, je tente pour le stream aussi, mais on est là. Hein. On va profiter du LEC et des BO, ça va mettre bien. Bon, on a deux très belles séries à vous proposer, messieurs, pour faire passer tous ces aléas de la vie. Et mesdames et messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, et de nos deux séries du jour, on se remet en mémoire ce qui s'est passé la semaine dernière, enfin, dans les derniers matchs en date. Bien sûr, on avait eu Heretics contre le Shred Commando. Donc forcément, aujourd'hui, puisqu'on retrouve les Heretics, l'issue, on la connaît, Roba, bien entendu. C'était un match, ma foi, qui a été important pour Heretics, qui ont pas mal changé d'identité. Ouais, et pourtant, c'est pas un BO qui avait très très bien commencé pour les Heretics. SK avait montré un plutôt bon visage dans la première partie. On s'attendait peut-être à ce que les SK soient dans un nouvel état de forme. Mais malheureusement, derrière, Heretics s'est retrouvé. Et on a un peu cette constance chez SK où on va un peu trop loin, un peu à l'image de ce fight où Exakik va tomber très tôt. Et derrière, les Heretics ont récupéré un 2-1. Ouais, clairement, les SK, comme l'a dit Roba, première bonne game, c'était un petit peu rempli d'espoir, mais après ça a vite dégringolé, ils sont vite retombés dans leur travers, un petit peu dans leurs habitudes de cette année finalement. Et comme on le sait, c'est une équipe dans laquelle il y a pas mal de soucis ATM. On a vu quelques trucs notamment sur Twitter, des joueurs, ouais, qui étaient déçus de leur performance, tout ça. Et ouais, pas facile pour les SK qui n'ont jamais vraiment su remonter la pente et régler leurs problèmes sur ces deux splits. Ouais, on est absolument d'accord. Niski s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet, si vous voulez aller voir de son côté. Giant Tech contre Mad Lionskoy. Forcément, on retrouve les Mad Lionskoy aujourd'hui et les GX. Bon, on va. On sait déjà qu'il y a des changements qui vont arriver chez eux. On sait déjà qu'il y a des changements, mais pourtant, ils auraient pu gagner ce BO, honnêtement. Ils auraient pu gagner ce BO cette première game avec le Sylas. Pas mal, Jackie. C'était, hein. C'était une sacrée folie. En vrai, Jackie, ça a fait un BO plutôt solide overall. Un peu plus de mal avec le Azir plus tard. Mais ouais, après, pareil que le premier BO, globalement, game 1 à l'avantage de Giants. Et derrière, Mad s'est retrouvé. Ils ont déroulé. Mais je trouve qu'ils se sont fait un peu plus peur quand même que Heretics dans le BO. Ouais, c'était un peu plus serré que ce qu'on a pu avoir durant le Winter, par exemple. Bah, à cause de cette game 3, notamment, qui était finalement extrêmement serré. Ça partait pas trop mal, si je dis pas de bêtises, pour les GX. Ça avait stacké quelques dragons, mais après, de fil en aiguille, les Mads ont su garder la tête froide. Ils avaient aussi des bons champions de game disqualificatifs, on va dire. Ils ont la Rel, le TF, le Braum, Sivir. Ils avaient du scaling, ils ont su un petit peu verrouiller la game et éviter le pire. Et on le rappelle, les Mad Lions, dans ces situations de game ultime, ils sont très forts et habitués. Notamment dans le dernier split où ils ont gagné énormément de game 3 et de game 5 durant les playoffs du Winter, du coup. Ouais, on va aller re-regarder ça, mais là c'est le bracket à jour. Alors mesdames et messieurs, nous sommes en bas au milieu, donc aujourd'hui c'est Vitality, Mad Lionskoy, Fnatic, Heretics. Alors on commencera par Fnatic contre Team Heretics, bien sûr. Vita Madcoy, ce sera le deuxième match de la journée. On se fait un petit point sur les points de championnat.
Tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, les équipes qui perdent sont évidemment out du MSI. C'est tout à fait logique. Mais gardez en tête que ces points de championnat ont surtout pour utilité de qualifier aux season finals en fin d'année pour l'ascension au championnat du monde. Aussi, ouais, du coup, c'est quand même. Enfin, les enjeux sont très importants aujourd'hui. Hein. Petit rappel rapide, on pourrait dire que là, il reste 6 équipes. Il y en a 2 qui vont sortir aujourd'hui. Et dans tous les cas, il faut aller, même si tu ne peux pas forcément affronter G2, comme tu l'as dit, il faut aller le plus loin possible, soit pour le MSI qui arrive bientôt, et surtout pour les Season Finals, pour les Worlds, en gros, il faut stacker des points. Quoi. Ouais, le MSI est relativement simple aujourd'hui, avec G2 toujours en bonne forme, mais on vous donnera bien sûr les enjeux au moment où ils seront joués, ce sera beaucoup plus facile à digérer de votre côté. Avant de rentrer dans ces deux matchs, messieurs, je me baladais un petit peu sur d'autres ligues des légendes. Je regardais des matchs de Turquie et du Vietnam hier soir en rentrant de la finale de l'EFL. Posez pas de questions, ça fait partie de mes kinks. Et j'ai vu un Smolder. Et je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Mais où sont passés Senna et Smolder ? Donc du coup, j'ai voulu faire un mini dossier en quelque sorte pour montrer à quel point les métas ça change vite, et notamment au niveau de ces deux champions. Juste pour vous remettre en condition, le début d'année, c'était ça, le versus numéro 1 qu'on avait, les deux Karyadé Scaling. Vous voyez ici la présence des deux champions qui est absolument insane, compte tenu des bans, et ça c'est à travers bien sûr la planète League of Legends de Ligue Majeure. Vous avez apprécié, vous, le Senna Smolder Universe ? Pas vraiment. Non, pas en vrai, j'ai hésité parce qu'il y a Senna dans l'équation. Hein, Smolder est littéralement ridicule, mais en vrai, leurs deux ultis, je trouve, sont peu sains pour le jeu par rapport à ce que requièrent d'autres ADC en termes de mécanique et tout. Parce que c'est juste. C'est low risque, giga high reward, ça a trop d'impact. En fait, c'est juste des ADC transformés en casters, et c'est même pas des casters. Bon, faut quand même savoir les jouer, mais c'est pas non plus des casters si durs que ça à jouer. Enfin, quand tu compares à des Azir, Orianna, Syndra et tout. Et du coup, ouais, ces picks sont un petit peu des anomalies, mais bon, ils font partie des derniers ADC sortis sur la faille, donc voilà. Hein. Bah, moi, je serais un avis rapide. Moi, je serais moins gentil que Marex, ça m'a cassé les couilles. je pense que les deux champions sont un peu ridicules, enfin, étaient vachement ridicules. Après, il y a une tentative de les faire revenir au prochain patch avec Smolder, où on focus le crit pour éviter les builds à la lianderie où tu as 6000 HP avec un Rookern. Et Senna, où on veut accentuer peut-être la composante AD avec les buffs d'IE, on en reverra peut-être un petit peu. Mais là, sur ce patch actuel, ça semble quand même un peu en dessous de tout ce qui est Jinx. On a les chiffres tout simplement sur le patch actuel, donc encore une fois à travers les ligues majeures. Effectivement, il y en a un quand même, c'est zéro. En vrai, il a pris un sacré coup. Là, il est passé de meilleur champion de l'univers League of Legends à zéro. Ouais. Ça prouve vraiment que les derniers champions sont bien design et du coup faciles à équilibrer pour l'écosystème compétitif. Et ça, l'écosystème compétitif, et ça fait plutôt plaisir. Cela dit, Senna, ils ont quand même fait un bon travail dessus, dans le sens où le pic est pas non plus autant overtuned et ridicule que Smolder. Ils ont réussi un petit peu à rééquilibrer et à forcer. La Senna joue au rôle de support, ce qui était le but initial. C'était le design de base, ouais. Prochain patch, c'est tout l'inverse. C'est à Décari. Mais ouais. Prochain patch, ils font tout pour que ça soit joué à Décari. Un petit commentaire. Mais il n'y avait pas eu un patch vraiment très fort au terme des changements de valeur des drops d'âme pour que ce soit impérativement joué au rôle de support. Si c'était passé de 8 à 2. Comment expliques-tu ce que tu viens de me dire ? Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a ni queue ni tête. J'aimerais bien comprendre. Juste sad. Enfin, c'est Riot Games, quoi. Mais c'est vrai. Henri, pour le coup, c'est vrai. Mais juste, prochain patch, je crois c'est... Ça a été annoncé quand ? Ça passe de 2 à 8. Mais ça, c'est déjà passé. C'est sur le live, okay. Là, actuellement. OK. Il y a un revert sur les stacks que tu chopes en pourcentage quand tu last it. Donc, c'est revert. Donc, ils ont revert sur le truc. Ouais. Mais ils voulaient aller dans une direction précise. Et j'ai totalement changé d'avis. Ils ont revert au bout d'un patch. Et ils ont nerf le taux de drop de quand tu es support, genre quand tu as l'assist d'un creep, quand il y a un creep proche, ils ont nerf le truc. Donc c'est vraiment fait pour que ce soit. Mais la seule explication, c'est que il y a des membres de Riot Games qui se détestent et veulent se saboter entre eux. Non mais no joke. Enfin, ça n'a aucun sens. Par exemple, l'équipe d'équilibrage contre les designers de Smolder et tout, qui se tient ton champion. Ah, le designer de Smolder n'est même plus chez Riot. Donc pour le coup, cette affaire concernant Senna est vraiment très bizarre et inexplicable.
Bon, ouais, ça n'a aucun sens en fait. Et Smolder, mais le. Je crois que la meuf, dans la vague dans le Ouais, la meuf qui a designé Smolder s'est fait ban et n'était même plus chez Riot quand le champion est sorti. Bah, respect, parce que le champion est stylé. Après, bon, les réglages, les values, etc. C'est. Ah, ça, oui, je pense que c'est pas elle qui décide. C'est pas la personne en question qui design le champion qui décide. On est bien d'accord. Mais voilà, si vous vous demandiez où étaient passés Smolder et Senna, eh bien, ils essayent de se régénérer après s'être pris un énorme coup de nerf bat et un coup plutôt exceptionnellement bien ajusté pour Smolder. Bon, après, voilà ce petit apéritif, messieurs. Passons dans les séries du jour. Le planning, et on va aller crescendo, évidemment. On va commencer par la série qui commencera plus tard, hein, évidemment, entre Fnatic, entre Mad Lionskoy et Vita. Et on terminera avec Fnatic et Heretics qui seront donc prévus à 17h, donc dans 20 petites minutes. Mon cher Bichente, tu peux y aller, feu patate. Déjà, on remet ce qu'on a déjà diffusé au niveau du bracket. C'est cette fameuse trajectoire des Mad Lionskoy qui ressemble étrangement à ce qui s'est passé au Winter. On aurait presque, certains diraient, copié-collé le script des Mad Lionskoy. Clairement, c'est le même pattern, les mêmes matchs, quasiment les mêmes scores. Enfin, on verra. On verra ce soir exactement si, les mêmes matchs. On verra ce soir si la prophétie va s'accomplir. J'y crois zéro. Et, ça, et mine de rien, ces deux arbres-là nous montrent aussi que le niveau des équipes n'a pas tant évolué que ça d'un split à l'autre. Quoi. Bah, Heretic, c'est peut-être l'anomalie. C'est l'élément. Je pense que c'est l'anomalie. Moi je suis plus hype par le Fnatic Heretic parce que franchement... Ah, c'est un beau match. Hein. Le Vitmad, Vita, même s'ils sont tombés de l'upper, je trouve qu'ils sont vraiment solides. Alors que Mad, ils sont passés à la dure contre Giant. Enfin, pour moi, le BO est giga one-side. Alors, peut-être qu'avec une semaine de préparation, tu as des infos et tout, mais pour moi, ils vont se faire mais vraiment juste chier dessus. Mais tu marques un point. Heretics sont en pleine ascension, les Vitality aussi. On se remet bien sûr en tête ce qui s'est passé lors de la dernière confrontation entre Vita et Mad. C'était évidemment dans cette saison régulière, entre guillemets. Est-ce que vous vous souvenez de ce match, hein? C'était le Douglas Jax Jungle Omega Fed et le Wukong Top contre Jace et la Bruiser Comp qui, au final, avait donné l'avantage aux abeilles avec Senna. Ah oui, ouais, je... Rappel de celle-là. Tu étais au commentaire, il me semble. Ouais, ça me dit quelque chose, ce match. Bon, je m'en rappelle bien. Les Mad avaient fait un assez bon early, mais en mid-game, ça manquait de qualité de jeu un petit peu des deux côtés. Il se passait pas grand-chose. C'était petit throw contre petit throw. Et on est arrivé ici à... Jax allait récupérer un FB et tout. Ouais, type ouais. Mega big. Et après, une fois arrivé à 20-25 minutes de jeu, la compo Vitality, il disait juste, regardez-moi cette compo, c'est du jamais vu en fait. Il courait tout droit sur les adversaires. Les adversaires ne pouvaient pas faire grand-chose. Ouais, je sais pas. En fait, pour moi, le rapport de force dans ce BO, c'est juste. Il y a juste un point d'interrogation botlane, parce qu'il y a toujours Illisang où on sait jamais trop l'état de forme, tout ça. Mais dernièrement, il est plutôt solide. Un peu comme toute son équipe. De toute façon, Vita fait un split plutôt convaincant. Mm-hmm. Mais sur le reste de la map, enfin, le top side, je trouve qu'il n'y a pas photo. Surtout le Elioya, son split et le BO contre Giantix. Je pense qu'il va se faire manger ce soir, tu vois. Sauf s'il a un visage complètement différent de la semaine dernière, mais la semaine dernière c'était inquiétant son BO. L'un des versus les plus attendus de ce match, c'est évidemment le match-up top lane, puisque on sait qu'il y a Mirwin évidemment côté Mad Lionskoy qui est pas mal le côté piquant du collectif, mais il y a un nouvel élément qui est monté quand même chez les Vitality durant ce spring split, pardon, winter, summer et tout, c'est Photon. Et Photon, il faut vraiment, vraiment en parler, il faut vraiment vous mettre les chiffres, il faut vous mettre les champions, il faut parler un petit peu de la très très bonne performance du joueur. Alors, un top laner qui performe bien, c'est une équipe également qui sait jouer autour de lui, en lui donnant de la présence et surtout en lui donnant une phase de sélection, une phase de draft qui est plus ou moins avantageuse. Nonobstant, les chiffres sont sans appel, c'est un monstre. Oui. Les stats sont ouf et je dirais même que la stat qu'on peut le plus mettre en parallèle à cela, c'est le nombre de blind pick qu'il a. Et de mémoire, il blind pick quand même assez souvent. Je ne sais pas si c'était le dernier BO. Le BO, il a joué Rumble, Jace, puis TF. Les trois games étaient littéralement... On peut mettre les champions si tu veux. Les trois games étaient littéralement royal, c'est dans son historique récent. Il est juste super fort. Et petite parenthèse par rapport à ce que disait Roba, c'est vrai que avec toute l'équipe qui monte un petit peu en force, Illisang, bon, il a beau avoir rundown le dernier split là, il joue beaucoup mieux sur ce split là, ça commence à devenir très très fort côté Vita et Photon, c'est notamment grâce à lui parce que son champion pool permet aussi
une certaine aisance dans les drafts quand il blind pick ses rumbles et ce genre de choses, par exemple. On est bien d'accord, il faut tomber un petit peu une anomalie. Je vais te donner la parole juste après, Roba, parce qu'en termes de répartition de dégâts vis-à-vis de ses coéquipiers et répartition des golds, c'est celui qui prend le plus de ressources et celui qui fait le plus de dégâts à l'intérieur du 5 Vitality, devant la mid lane, devant le poste d'AD carry, ce qui n'est pas le cas dans les autres équipes. Et c'est vraiment pas le cas du tout. Ouais, bah après, je pense que c'est un peu une anomalie. Il a un peu son profil particulier. En vrai, Mirwin pourrait être mis dans une catégorie à part aussi. Mais je trouve que Mirwin, il fait pas. Ça fait pas même impression que le split précédent. Au Winter, t'avais vraiment ce mec qui va te sortir. Genre, t'arrives dans la draft, tu te dis, mais qu'est-ce qui va me sortir en face ? Ouais. Fiddle. Mais tu vois, je trouve qu'il est un petit peu plus classique sur ce split-là. Et je dirais pas que ça manque de folie, parce qu'il a quand même joué pas mal de trucs, Mirwin. Mais je sais pas, je les trouve plus classiques. Et ouais, du coup, ils ont un peu plus de mal. Et je pense que Photon, où on a vu les stats, est genre 100 fois au-dessus de Mirwin actuellement. Ouais, c'est fort probable. Il faut le cheese, en fait. On est quasiment dans une position où Mirwin est attendu de cheese Photon. En fait, Mirwin a, entre guillemets, un peu utilisé la plupart de ses cartes pièges dans le split d'avant, et du coup, elles sont un peu moins fortes actuellement, et là, il faut qu'il change de deck, du coup. Ah non, mais c'est littéralement ça. Mais il joue un deck régular en ce moment. Est-ce qu'est-ce que vous pensez de Mirwin régular? Bah, en régular, je dirais qu'il est un peu moins bon que Photon, parce que Photon est juste trop fort sur des picks classiques. Hein. Yep. Bah, c'est exactement ça, je pense. À moins qu'il ait préparé des trucs pour ce soir, mais je vois pas ce qu'il peut sortir de vraiment particulier en top lane. Et puis bon, en vrai, Photon, c'est pas non plus. Enfin, il est pas né de la dernière pluie. Je pense que même s'il lui sort un Darius ou un truc comme ça, il va quand même s'en sortir. Je pense que l'écart top sera dur à gérer pour Matt dans le BO. On verra, hein, peut-être que ce sera pas le cas, mais je pense qu'ils vont avoir du mal. Peut-être qu'il y aura un avantage red side justement pour ce counter pick top side. Ouais, et moi, perso, dans les picks qui me viennent en tête, que ces top laners jouent très bien dans des picks classiques et qui vont peut-être un peu être disputés, il y a le Jace, ouais, le TF et peut-être le Rumble aussi qui peut être blind en blue side pour des drafts. Mais je pense autour de ces trois picks là, je serais content que les joueurs les jouent beaucoup ces picks là. Bon, ça devrait sans doute arriver au-delà des bans pour voir un petit peu qui est le meilleur, parce que bon, Mad Lions en situation de comeback, d'arbre de playoff et tout, c'est possible qu'il joue très bien et que Mirwin soit au top de sa forme. Donc ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir tué. Peut-être que Mirwin va bien s'en sortir. N'oublions pas que les Mad étaient sous-estimés au Winter et qu'évidemment, ils ont fait une remontada exceptionnelle. Et il y a d'autres choses qui vont bien, honnêtement, côté Mad Lions Koi. Je ne parle pas de Supa Alvaro, même si on va les mentionner précédemment. Je voulais parler de Frescovi, puisque dans la dernière série disputée, il nous a sorti sa Harry à plusieurs reprises. Et elle a été extrêmement performante. Et Fresco, ça a été un petit peu le... Bon, il a bien dit publiquement que les midlaners le décevaient un petit peu. Hein, le sait, il s'attendait à ce que ce soit un petit peu plus chaud. Bon. En vrai, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre parce qu'il n'y en a pas 36 qui sont excellents, bien sûr. Dans le fait qu'il soit arrivé récemment et qu'il ait ces stats-là, il a, entre guillemets, le droit de dire ça dans sa position de rookie, quoi. Alors, ce sont ses stats sur Harry. Ouais, après, c'est sur Harry. Non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais je trouve qu'il peut quand même se permettre de dire ça. De toute façon, il troll un peu dans sa position et il s'en fout, tu vois. Il est vice-champion, mais Fresco face à VTO, c'est pas non plus gratuit pour Vincent. Je pense que c'est rien de le dire. Bah, moi, j'aurais dit que c'était pas gratuit pour Fresco, mais... Non, mais c'est vrai, tu penses vraiment qu'il va le massacrer? Bah, en vrai... BO... Tu es l'expert de la midlane, Robin. BO dernier, il est contre... Bah, il se fait, littéralement, il se fait chier dessus game 1 par le Sylas. Ouais. Et les deux games d'après, il a Harry dans Azir. Il a bien joué. En vrai, le Azir en face, c'était pas le meilleur Azir, tu vois. C'est pas c'était pas le Azir qui a touché le plus de sable. En vrai. Genre, vraiment, je pense qu'il se prend le Azir de VTO, mais même d'autres picks, tu vois, parce que VTO a beaucoup de picks aussi. Je pense qu'il se fait bouger. Tu vois, s'il blind Harry pour faire un duo Harry-Vai ou avec son jungle, je pense que VTO peut lui sortir un truc et le bouger en lane, quoi. Mais vraiment le bouger. Parce que quand il dit que le niveau n'est pas méga élevé, je peux le comprendre, le milieu bas de tableau en mid lane n'est pas extrêmement fort, mais je pense qu'il y a un top 3-4. Genre Uma, Caps, et je pense VTO est assez haut, surtout en laning phase. Et je pense que, un peu comme tout le roster Vita, ce split VTO, c'est très solide. Hein. On est tout à fait d'accord. Ouais. Solidité, c'est vraiment le terme par lequel on définit Vita, mais pas sur tous les aspects de la game. Sur l'early game, en tout cas, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe. Oui, ça, Vitality en early game, c'est une véritable dinguerie, mesdames et messieurs. Il faut vraiment en parler. C'est la meilleure équipe d'early. Je crois qu'à 15 minutes sur cette phase de play-off, ils sont à plus de 1500 gold d'avantage. On peut le voir ici sur le graphe. C'est assez exceptionnel, hein, si vous vous mettez sur la colonne 15 minutes.
C'est après que ça cloche, très honnêtement, et tu le vois ici, mon cher Marex, il y a un downfall assez fréquent. Ouais, vers les 20 minutes, c'est vrai, et je trouve quand même que ce graph, bon, même s'il y a eu des défaites, est potentiellement très rassurant pour l'Evita, parce qu'avoir un bon early de manière régulière, c'est le plus important sur League of Legends, parce que tu bases tes drafts sur le fait que tu ne vas pas troll en early, et le mid-game et le late-game de n'importe quel game découlent de ton early. Donc gagner l'early game sur League of Legends, c'est le plus important, et c'est toujours ce qui se dit, c'est aussi ce qui te permet de draft plus de choses. Donc honnêtement, si l'Evita arrive à régler quelques-unes de leurs erreurs, ça peut vraiment aller très loin dans ce LEC, je pense. C'est juste logique. C'est ce qui rend l'Evita très intéressant, parce que en saison régulière, ils avaient un early très instable, mais arriver à comeback les games, ils ont travaillé dessus, et maintenant ils ont un petit peu le problème inversé. Je trouve que les Vitality montrent vraiment les signes d'une équipe qui progresse sur ses erreurs, en tout cas les cibles en quelque sorte. Ça, je trouve que c'est hyper rassurant pour la suite. Je pense avec Heretic, c'est la team qui a le plus progressé depuis le split précédent. Et en vrai, je pense qu'on a pu le voir la semaine dernière. Mad, quand ils sont la première game de leur BO, ils sont derrière en début de partie, ils se font manger. Il y a des petites erreurs qui font qu'il y a 5-10 minutes de plus, mais si Vita est devant, je pense qu'ils peuvent les 2-0 sec. Sans argumentation, parce qu'on doit passer à la suite, un pronostic pour vous messieurs, je rappelle que c'est un BO3. 2-0 Vita. 2-1 Vita. Ok, très bien. Ça les abeilles à l'honneur. J'ai dit sans argumentation. Okay. tu te calmes, je sais. Tu peux pas. Mais non, là, après, je peux rien dire. On doit passer à autre chose. Fnatic contre Team Heretics. On va commencer par la mid lane également. Donc, les Heretics qui se sont défaits des SK Gaming. Et je voulais revenir sur Zuiru, parce que dans cette série contre Niski, qui n'est pas un mid laner random, bien entendu, il a joué trois fois Azir dans trois réponses différentes de Niski. Trois Azir dans trois match-ups différents. Il ne les a pas tous gagnés, mais il a fait une performance extrêmement stable sur les trois versus, sachant que Zuiru, c'est un petit peu l'élément le plus frais, instable, en théorie, de Team Heretics, puisque l'arrivée de Trimby, bien sûr, a changé les choses, mais Trimby est un vétéran ex-champion du LEC. Ouais, bah après, je pense qu'on lui a beaucoup laissé les piques, peut-être sous-estimé. En se disant Zuiru, c'est pas vraiment le problème chez Heretics, donc on le touche pas trop. Il a joué confort, il s'en est bien sorti dans les trois games, honnêtement. Après, c'était pas le meilleur BO de Niski, je pense qu'il l'a dit lui-même, que ce soit en stream ou sur Twitter, mais ouais, convaincant en vrai. À voir, je pense qu'il aura pas à dire les trois games ce soir, s'il y en a trois, mais il va être aussi contre Humanoid, qui est peut-être dans un meilleur état de forme que Niski, donc faudra voir ce soir. Mais il a fait beaucoup de bien aux Heretics, autant que Trimby, je pense, même si Trimby a probablement plus d'impact sur la com. Sur le vocal, bien sûr. Ouais, voilà. Mais on voit que les Team Heretics sont en train de fixer leur identité. J'en prends pour témoin, en fait, les bases de leur composition. Vous allez voir que les Heretics, ils jouent des choses extrêmement by the book, en réalité. Si vous regardez l'identité de Team Heretics dans la série contre SK Gaming, ce qui n'est pas l'identité qu'ils avaient auparavant, ils ont vraiment fixé leur problème pour cette série en particulier. Vous voyez que dans leur composition, ici tout à gauche, c'est tout le temps top lane, jungle, front. En réalité, semi-bruiser avec Vi, mais la mission front est toujours accomplie. Mid lane, bot lane, hyper carry. Et le poste de support, qui est le poste flexible. Tout à fait. Et je pense que ça s'explique par le fait que déjà, ils jouent des phases de BO3 où, avec élimination directe, ils ont quand même envie d'essayer d'accrocher un MSI, des points de championnat pour les Worlds, tout ça. Et aussi dû au fait que le BO précédent, ils avaient forcé un style assez bizarre à base de forcing volley et tout, ça n'avait pas du tout marché. Tout à fait. Donc sur ce BO-là, ils ont vraiment voulu se rassurer avec du classique. Et ça explique tous ces Azir, ces Jinx, etc. Et ils ont eu raison, parce que je pense qu'ils ont le talent nécessaire, si les joueurs sont dans un bon jour, pour battre à la loyale, entre guillemets, les autres équipes en jouant en classique. Et on aura la réponse ce soir, ça va pas être simple. Et face à eux, une équipe qui ne joue pas du tout classique, vous l'aurez compris, les Fnatic, qui ont une phase de playoff actuellement assez bizarroïde, parce qu'ils claquent un 1-2-0 sec contre Giant X. Ils se font 2-0 sec par les G2. Je vous invite à regarder plutôt la durée des games, puisque en moyenne, toutes les parties disputées par Fnatic durant cette phase de playoff, c'est 25 minutes, tout simplement. Il n'y a pas de game au-dessus de 20 minutes. Bon, On a tous vu les parties, mais je m'en remets toujours pas du 21 into 25 minutes contre G2, alors que c'est censé être plus ou moins sur le papier la deuxième meilleure équipe en Europe. C'est affolant, genre. Ouais, après je pense qu'ils sont
pas si proche de G2 que ça, honnêtement, Fnatic. Moi, je les vois en dessous. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de faiblesses qui laissent transparaître. En vrai, si tu attaques beaucoup Razork et que tu le mets pas dans des super conditions, Razork, c'est vraiment... c'est tout rien, quoi. S'il est pas hard devant et qu'il va genre, être le moteur principal de l'équipe, je trouve qu'ils ont énormément de mal. Et ça peut être un angle d'attaque par un Jankos qui le connaît quand même déjà très bien. Mais c'est quand même malgré tout assez difficile d'estimer la puissance des Fnatic parce que moi, quand j'ai regardé leurs stats et que j'ai essayé de faire du profiling, etc., très franchement, toutes les datas sont pipées par simplement le côté one-sided des deux rencontres. Oui. Donc les Fnatic, il y a toujours un petit voile de mystère autour de mon Chamarex. Je te vois avec le micro, mais je vais devoir avancer parce qu'on se rapproche de l'heure du match. Et justement, on avait un nouvel épisode de Voice of Legends, vous savez, qui est partenaire du LEC sur OTP. Et on a une séquence qui, de manière hebdomadaire, revient sur les meilleurs moments de cast avec images à l'appui. Et donc, mesdames et messieurs, on est ravis de vous présenter un nouvel épisode des Voix de la Légende. Quelle action ! Exaki qui retourne, Exaki avec Sazeri, on a les dégâts, mais non, on va se faire assassiner par Karzi. Karzi qui n'a plus de moyens de survivre, il a l'utilise, il est en dessous du mur. Est-ce qu'on peut pas réengage de la part de Vitality? Oh, le burst de Photon est monstrueux, Photon qui pulvérise Diski sur ce play et désormais, il n'y a plus de carry. L'Eska peut être en difficulté, quoique il reste qui tient très très fort, mais tu l'as dit, il n'y a plus de dégâts. Le flash du côté de Photon qui est en train de marcher sur les SK Gaming, c'est un triple kill pour Photon. Tu veux que je te... Il m'agresse IRL le chien. Oh, Jacques ici sur Humanoïde, c'est pas mal du tout. Humanoïde, mais Mémers, surpris par les dégâts de la série, et là, ça devrait aller tout droit pour les GX, quoique le reset qui va être pris par Noah, non Pixel, mais il enchaîne avec les roquettes de fou furieux. Jacques qui essaye d'attraper Noah, mais Noah qui a les nerfs solides et qui distribue les balles sur les adversaires. C'est terminé, Noah et Pixel. Peut-être Yankos. Ça touche. Oh, ça s'arrête pile poil devant, mais c'est pas terminé. Il y a Dos qui pourrait potentiellement... Oh, oh, c'est le retour de la Camille de Dos. Cachez-vous. Oh mon Dieu. Rovala, c'est stun, mesdames et messieurs. Vous verriez sa tête. C'est fabuleux. Il a l'impression de revivre la GA. Pour y avoir une TP de Jackie, il y a des très bonnes noirs là, juste ici. Alors par contre, ils n'ont pas la T1, donc. Mais on a l'abordage sur Elioia. Il a encore son flash Elioia. Il va se repositionner avec le cataclysme. Il est encore vivant Elioia. Est-ce qu'on a l'ulti de Rek'Sai? Oui, l'ulti de Rek'Sai, bien sûr, Dodo amené. Jackie est encore vivant. Et c'est 4 kills. Il ne reste plus qu'un. Oh, Ace! Un Ace! Mais pourquoi? Mais que sont-ils allés faire au mid? Mais on a déjà un bon baril, une nouvelle fois l'engage de la brave qui va arriver immédiatement sur le côté. Et les dégâts de Ice sont déjà suffisants pour prendre deux kills de cette série. Le laser qui va en plus de ça mettre des très bons dégâts. Triple kill, quadra kill, pata kill de Ice. Le pata kill Ice sur sa série où ils étaient prévenus les Vitality. Il n'y a plus de flash, est-ce que Photon peut l'attraper ici? Il est un petit peu seul, Photon, attention à ne pas aller trop loin encore une fois. Elisang qui va venir mettre le flash in, Karzi qui peut follow up le rappel de plume. Mais bon, on a tout commit, on a réussi à tuer cette série. On a l'arrivée de Méton dans le fight, c'est un cafouillage complet. Les dégâts ne marchent pas. Méton qui s'est fait exterminer. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? De pentacle incroyable du way to Duke. Comment il s'en sort? Comment il fait? En 3 secondes, le teamfight de Vitality qui disparaît avec l'arrivée de Nuke dans une TP dans 5 personnes. J'ai rien compris. Mais du skill, quelle action! Quelle action de Kassi! C'était une bonne semaine pour les voix de la légende. Chers amis, une petite préférence parmi l'échantillon goûtu qui vous a été proposé. Bah, Robalas full stun, ça m'a mis bien face au petit play là. C'est vrai que notre moment Robalas, c'était pas, il y avait pas autant de hype. Ouais, non, il y avait pas beaucoup de hype, mais j'étais... On est plus fin. J'avoue que je revenais de la GA et je vois un support faire des trucs comme ça, ça m'avait. En même temps, c'est normal vu la situation. Enfin, c'est juste sad. Il y a des critiques. Ah quoi, c'est vrai. Ouais. Bah, sur les images, tu étais dans ta tête, tu te disais quoi? Je suis encore à Poitiers. Un peu, ouais, ça. Messieurs, on termine ce pré-show avant de balancer la game d'introduction. Bien entendu, nos casteurs LPL nous ont rejoints et Tréton est en train de s'amuser certainement avec Cosmo. Un petit prono sur ce Fnatic Heretics, sans argumentation, Marex. Ah, je tente un petit 2-1 Heretics.
Ok. Bah 2-1. Je pense 2-1 Fnatic quand même. Après, les fans Fnatic, ne vous inquiétez pas, mes pronos sur le début des playoffs LEC sont un petit peu frauduleux, donc ça devrait le faire. Ça devrait être rassurant. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir solidement épaulé durant ce pré-show. Mes fiches tombent, tout simplement. Mesdames et messieurs, suite donc de cette phase de playoff du LEC pour le Spring Split 2024, dans quelques instants, Fnatic contre Team Heretics. C'est parti. On va rentrer dans le premier BO3 de cette soirée de LEC Fnatic et Heretics qui vont être les premiers à rentrer sur scène pour ce BO3 éliminatoire pour m'accompagner au cast, comme l'a dit Twix. Et les casteurs LPL qui vont être là aujourd'hui, ça va Tréton ? Ça va très bien, ça va très bien. On s'occupait du chien de Marex qui était perturbé de ne pas pouvoir le voir pendant le pré-show mais qui entendait sa voix, c'était très très mignon. Il le cherchait. Il et le là, cherche, là c'est beau. Bon, Marex a rejoint son chien et tout se passe pour le mieux. On va voir ce que ça va donner dans ce Fnatic Heretics. J'avoue que nos collègues sur le pré-show et tout voyaient notamment Heretics gagner, etc. Moi je suis totalement du côté de Fnatic où je pense que c'est un 2-0 assez simple. Allez. Mais peut-être que je me trompe. Il y a peut-être le biais des rencontres récentes qu'on a eues face à G2 qui sont 2-0 vraiment sec, sévère, rapide. Mais bon, comme l'a dit Robalas et comme l'a dit également Razork, même à la fin de la game quand on a regardé les voicecom, Razork était passé totalement à côté du BO face à G2. Il l'a dit lui-même. Donc maintenant, si on a juste Razork dans une forme, je dirais même pas une forme olympique, juste une forme correcte, Fnatic arrive quand même grandement favori. Ouais, je pense aussi. Alors, ce que ça va donner des la draft Nico TF Azir retiré par Fnatic. Zuiro a eu le droit de le jouer 3 fois d'affilée. Et si on écoutait tous ceux qui ont regardé la Superliga, c'est vraiment son champion référence. Et c'est bien tout de même de lui enlever son confort. On va devoir montrer autre chose du coup, du côté du midlaner Heretics. Ah oui, ils sont pas HRL et... On va voir pour le dernier. D'avoir un plan bien préparé, j'imagine, les Fnatic et un ban de Kalista aussi. Okay. Ban des champions dominants sur la bot lane. Et on récupère une Orianna en first pick. Orianna qui est très 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 populaire en LEC. Ouais, surtout pour Humanoid en vrai. C'est souvent ban contre lui. Quand elle est open, il se jette dessus. Maintenant, attention, je vois tout de même du Vi Ahri, du Vi Talia qui sont disponibles. Ce sur quoi Heretics pourrait se jeter pour tout de même venir menacer une Orianna. Pour l'instant, on part sur Rek'Sai Broken, sur Zeri très forte. Bon, très bien. On prend les champions estières à chacun de ses rôles, quoi. Oui, on sécurise des champions extrêmement forts qui donnent aussi pas trop d'informations sur leur draft. En vérité, ils peuvent pivoter et faire beaucoup de choses. Alors, quelle sera la réponse de Fnatic ? Est-ce qu'on va chercher directement ADC ? Je pense que c'est le timing de lock une bot lane en vérité. Oh, la caméra, calme. Waouh ! Waouh ! Bon, Jinx, bien évidemment. Jinx Zeri. Très bien, on sait ce qui se passe au niveau de la méta sur ce patch, pas de soucis. Nautilus pour aller lock une Zeri, ok, très bien. Bon, la réponse qui pourra aller du côté de Trimby, on peut être côté Braum, du côté Lulu, mais également du côté Alistar. Oui. Que j'aime bien revoir récemment et qui face à Nautilus se passe bien, face à Orianna pourrait être inquiétante. On pourrait déjà avoir ce champion. On va avoir le choix du côté de Trimby, à moins qu'ils aient un autre préopic à aller récupérer, ce sera un Jarvan. C'est vrai que le Jarvan Jayonko est très très bon dessus, mais en plus, contre Jinx, Orianna et avec un Nautilus déjà pick, il n'y a pas de possibilité de trash, il n'y a pas de possibilité de champion de la sorte, donc c'est un très très bon Jarvan pour lui. Ouais, effectivement. On change un peu la donne. Et logiquement, pour aller avec un Jarvan, on peut avoir un midlaner de setup qui fonctionne bien. Ça laisse tout de même pas mal de choses ouvertes. Et on a toujours ce combo Zeri-Jarvan qu'on pense qu'une fois qu'on arrive en teamfight, mais l'arène permet au lac des carrés. Alors, ce que ça va donner, on retire la poppy, très bon ban.
retire le Brom, très bon ban aussi. J'imagine que c'est Brom Alistar les bans de Fnatic dans la logique des choses. Vu que la composition d'Heretic va déjà de l'avant, je préfère effectivement le ban Alistar que Lulu. Il pourrait aussi ban Renata, qui peut être un peu un problème. Mais bon. Renata Zeri, j'en ai très peu vu, voire même pas du tout. Donc, reste à voir. Après, bon, Trimby nous a tout de même montré ses meilleures armes sur des champions un peu enchanteurs. Je pense à Soraka. Donc, si ça se trouve, on a envie de partir de ce côté-là, du côté de Trimby. En tout cas, le Rakan pic... aussi. Ah bah, voilà, le Rakan. Donc, reste à voir si on a envie d'Alistar ou si on prend juste le pick mid lane. Parce que là, dans tous les cas, il y a un peu le counter pick qui est possible. On a déjà le match-up support, on a déjà le match-up mid lane. Mm-hmm. Donc là, pour Heretics, la réintroduction est plutôt libre en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Voir quelle est leur priorité. Est-ce qu'un des deux postes peut un peu plus s'adapter? On va récupérer une Ahri qui peut souffrir un petit peu en termes de phase lane face à Orianna, mais qui a tout de même pas mal de possibilités de play. Et puis avec un Jarvan proactif dans la jungle, on peut venir forcer le flash de Humanoid assez facilement en vérité. Ok, réponse du côté de Razork. Qu'est-ce qu'on a pour affronter la Rek'Sai? On a vu ce qui fonctionnait bien en Asie, c'était Udyr et Aatrox, qui sont vraiment les deux seules réponses à apporter un peu de satisfaction. Il y a TF aussi qui peut marcher, mais il est banni ici. Et bon, ce sera le Udyr du coup pour Oscar et le last pick de Razork. Qu'est-ce qu'il nous trouve ici? On va juste jouer front to back bien classique, 3 tanks, 2 DPS. Avec Orianna Jinx, normalement, ils sont bien servis. Ouais, grosse compo front to back. J'aurais bien aimé un peu plus de dégâts, je pense qu'il y a la place pour Viego ou Xin. Ce genre de champion, mais on veut vraiment jouer la serrure. Jouer avec une immense frontline. Et là, pour Trimby, en vrai, on aime toujours bien le Alistar hein, dans ce genre de composition. C'est Hawk, ouais, clairement. Après, c'est pas forcément son champion de référence. Un champion sur lequel il a toujours bien performé. Tiens, la Renata, tu en parlais un tout petit peu plus tôt. Oh, Tariq, j'aime bien. Oui, oui, oui. Oh. Bien, Tariq. Oh, Renata, c'est bien aussi, je pense. Ok. Donc, Zeri-Renata. Rarement vu comme duo, mais pour pouvoir jouer les teamfights, on a tout de même des très bonnes armes. Ah, c'est pas mal contre Nautilus. C'est bien contre le Goin de Diret et Joanie. Il y a beaucoup de mêlées en face. Ça peut permettre à Zeri d'un peu plus s'exprimer. Et ça peut leur donner des options en face de lane, même si de toute façon dans Jinx, Azeri, le push, tu peux l'oublier quasiment à 100%. Clairement. Faut attendre le statique pour espérer avoir de l'espoir quelques moments. Mais bon, tout de même deux compositions qui du coup en termes de proactivité early game est tout de même plutôt faible. Je vois le Jarvan au milieu de tout ça qui peut peut-être réclamer des flashs. Il y a le mid jungle quoi. Ouais voilà, c'est ça. Petit Jarvan Ahri. Qui au début de partie peut le faire. Par contre, les caméras qui donnent envie de vomir, faut arrêter les gars. Je sais pas ce qui se passe avec les caméramans, mais y a pas un angle qui est normal, genre. C'est juste genre. Wow. Mais changer de cam quand le gars il se replace. Attends, mais il fait quoi? Le carnage du LEC, il fait quoi? Faut demander le swap. Hein. Mais attends, le caméraman met très très bien. Il a tapé un petit sprint au calme dans le studio. Et on va rentrer en game sur ce plan? C'est ça le plan? Bon, je sais pas, attends. C'est pas fini? C'est pas fini, il va encore nous créer du contenu? Ok, ça mange du popcorn, ça se met bien. Fan Mad Lions qui est là pour la game d'après, du coup? Probablement. Bah, il se met bien, bon, bah, c'est sur ce plan qu'on va partir en game. Transition Final Invocateur! Non, c'est trop grave. C'est pitié. Attends, mais on est dans la game là? Oh! Oh! Mais non! Mais on est dans la game! Mettez-nous dans la game! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, frérot? C'est un bouton! Mais pitié! Mais non! Mais c'est pas croyable! On s'est jamais vu ça. Alors, ça pour le coup, en termes de fail, j'en ai vu des fails. Mais attends, mais on a le mauvais flux. Non, mais nos trolls. On a le flux de la caméra en fait. Non, mais on a le flux de la caméra. On se fout de ma gueule parce que j'entends les ping et tout, on est en game là. Non, mais ils nous ont. Mais dis pas que c'est. Attends, c'est pareil sur stream à l'EC main et tout ou c'est juste nous? Mais c'est pas possible! Mais non, le flux à l'EC, il est. Je crois qu'on avait le mauvais flux. Ok. Bonjour. Ok. Ok. Bah. C'était lourd. Waouh. C'est l'un des plus gros fails récents qu'on ait vu. Après, c'était drôle. Mais. En soi, on a la game. On a la game, tout va bien. Ah bah tiens, du coup, maintenant on est les casters. Bah, du coup, on est pas. Alors, en gros, il nous envoie
du coup littéralement la caméra que vous venez de voir, on n'avait plus trop envie d'être dessus. Et du coup là on est passé sur le flux LEC. Pour avoir la game pendant un petit bout de temps. Pour avoir la game, de ce que j'ai compris. C'est bon, il nous envoie le flux, c'est bon, donc là on est re sur notre flux, tout se passe bien. Et ça trade sur la mid lane, on se remet de nos émotions. Ok. Ouais. Alors, bon, les deux junglers qui commencent topside par les League of Legends après cette transi. Je pense que si Carnage voit ce clip, je pense qu'il peut être un truc, mais. Mais bon, deux junglers topside, on se dirige donc vers la bot lane. Reste juste à voir si Yonkos va faire un petit passage au niveau de la mid lane avant de passer sur son bot side. Qui justifierait également les trades très agressifs que Zuro a démarré. C'est difficile. Ouais. Ah ouais, là c'est. Ah, ça m'a donné le vertige un peu dessus la caméra, je sais pas. Mais clairement, clairement. Enfin, moi, tu me le dis, hein, j'avais déjà mal au crâne avant de démarrer le cast. Là, je suis foutu, tu vois. Là, je suis dead. Ouais, c'est de rentrer dans la game tranquillou. On a le push évidemment du côté Fnatic. Ils ont des lanes plutôt très très fortes. Tu devrais avoir le push à peu près partout. Faut voir si du côté de Razor, on a des volontés agressives. Ouais, dans son envers, il est bien, je pense, avec Sage. Normalement. Ah, t'as pas le premier combo et le burst d'un Jarvan avec son passif qui pourrait inquiéter. Et Humanoid avait positionné une ward pour se couvrir d'un gank très très tôt via le topside. On la voit ici à l'écran. Et du coup, on a essayé de faire le tour pour Yonkos, mais Razork a couvert tranquillement son mid laner. Donc pas de gank, mais du coup, Razork a l'information. Razork va aller chercher un tout petit peu plus loin. Et je me demande s'il est en train de taper le blue buff, vu ses... Ouais, je crois qu'il est en train de voler le blue buff, ni vu ni connu. Hein. J'aimerais bien voir les interactions dans la jungle plutôt que les trades au top. Il a pris le blue buff, hein. Ouais, il a pris le blue buff en effet. Et il va peut-être essayer de prendre Zoro au moins son flash sur la mid lane. Flash directement de Razor, flash out obligatoire de Zoro. Oh, le bisou. Superbe charme et qui va récupérer gratuitement un petit blue buff transmis par Razor. Et Humanoid a envie de péter son écran. Le flash in était peut-être de trop pour Razor. Hein. C'est pas l'entrée du jungler espagnol qu'on voulait voir. Bien joué Zuro. Ouais. Ouais, on va dire de ce côté-là. On va dire de ce côté-là. Ça le met bien sur sa lane. Il a même pas besoin en plus de back. Il était assez haut HP pour récupérer le rift tranquillou. Il a encore une téléportation. Il est assez large. Il va pouvoir jouer avec un blue buff. Après, il faut quand même qu'il arrive jusqu'à son niveau 6. Parce qu'avant le niveau 6, il sera tout de même extrêmement sensible. Sauf que l'Oriana a peut-être pris un peu d'XP, etc. en plus. On va revoir. Passage niveau 4. Et là, en fait, on prend l'aggro de la tour avant même de prendre le bisou. Ce qui fait qu'il ne prend pas un coup de tour par le bisou, mais trois. Terrible. Ah, il a voulu suivre avec son W. On peut revenir en game. Oscar Enin qui prend des trades face à Rek'Sai. On voit que Wunder a l'air d'avoir travaillé le match-up. Bon, évidemment, ils se tueront normalement jamais. À moins que vraiment l'un des deux troll de manière énorme. Et peut-être que Oscar Enin, avec ce mauvais trade avec un Jarvan dans le coin... Il y a un petit monde où ça dive au top. Ouais, il aura déjà back à temps, back TP de possible. Oscar qui s'en sort bien en termes de farm, hein. Même s'il perd une partie de la wave, il est tout à fait correct. Au niveau du bot, on n'a pas vu beaucoup, mais en termes de farm, on est également à égalité des deux côtés. Même assez étonné qu'il n'y en ait pas un des deux qui a réussi à juste avoir un petit back, prendre son abatteur de fonction dans le Zeri Jinx. Ce sera peut-être au cours du prochain back. On va voir au niveau du dragon qui décide vraiment d'enclencher ou des grubs. S'il y a une possibilité d'un côté comme de l'autre, on a le niveau 6 sur Zuru, donc ça y est, on peut commencer à se déplacer sur la carte avec cette Harry et ce Jarvan. Là, Razor peut pas vraiment se présenter. Hein. Ok, on sait qu'il est là. Et je m'attendais à ce que Zuru déclenche un peu plus rapidement étant donné la prioritaire qu'il avait. Mais pour l'instant, on garde son calme. On a les deux supports qui sont en train de sortir de base uniquement. Il semblerait que Yonkos ait juste envie de prendre un grubs. Alors que je les vois plus puissants sur ce timing. Je suis étonné qu'ils forcent pas plus. Ouais, il veut peut-être aussi aller jouer le dragon très rapidement. Skyline qui arrive à mettre un gros push top size. On n'a pas encore eu la téléportation pour Wunder. Et c'est autour de la mid lane qu'il pourrait y avoir du grabuge. Ah, ça par contre. Ça par contre, ça va pas passer. C'est un kill très facile. Ok, c'est en top end qu'il va y avoir du grabuge. Un petit peu étonnant. Peut-être qu'en termes de communication, on s'attendait à ce que Yonkos, après les grubs, se dirige vers le bot side, vers le dragon et tout.
Certes, mais même il était quand même très relâche tout seul. Hein. Ouais, les deux petits coups de tour ont mis mal, les deux petits coups de tour pour le proc de Demolish. Bon, je regardais la minimap, je regardais même pas le play, ça me surprend un petit peu. Attention, par contre, aux Hérétiques qui sont très avancés sur le bot side, il y a une Sejuani qui est dans le dos, mais on va décider de pas déclencher. On se dit qu'on est peut-être trop faible pour venir à bout d'une Renata et d'une Zeri. Ce qui m'étonne, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Hein. Ouais, voilà, hein, ça arrive, le grab est en plus bien placé sur la Zeri. La purge, il va tout de même prendre les trappes. Razork, c'est un bon gang, on prend tout de même les deux summoners de la Zeri ici. Ah, bien joué. Bon, du côté de June, on se sentait un petit peu trop en confiance du côté de Flaquet et de Trimby, belle punition. Mais pour le dragon, ça reste une position cool pour les hérétiques, sachant qu'il y a le Jarvan de Yankos qui les a rejoints. Ok. Il va être vu ou pas? Ouais, il va être vu. Positionner deux pinkwards. Attention, Razork est niveau 6 avant Yankos. Et on rappelle que Flaquet est du coup très très vulnérable. Bon, le trade. Ah voilà, c'est pour Flaked, Et le flash in immédiat de la part de June. Flaked qui va essayer de se retourner, d'essayer de se battre au maximum avec le Z de Renata, mais il n'y a rien à faire. Très bien joué. Bien joué, Razork. Très très bien joué de la part de Fnatic. On vient punir l'absence de summoner sur un Flaked qui était un petit peu trop avancé. Et on va pouvoir push la wave, malheureusement pas enchaîné sur un objectif. Le dragon, il peut pas vraiment aller le chercher. Du coup, tu temporises avec en plus un Trimby qui trouve un freeze. Très intéressant, qui va mettre particulièrement bien la Zeri de Flaked. On manque un peu de mana pour Trimby qui lui va devoir prendre son back. On a tout de même du coup un timing où June pourrait être en premier sur la carte avec son Nautilus. Reste à voir s'il arrive à trouver quelque chose quelque part. Oui, encore ce niveau 6. Il y a vraiment un truc à faire au top là. Je sais pas si on a les dégâts pour le tomber. Après, il y a également Zuiru qui est en déplacement. On veut soit jouer le Udyr, soit jouer le Blue Buff. Razork à son flash, bon, mais le charme va déjà toucher le combo avec Jarvan, mais le flash de Razork est bien placé, Zuiru qui va l'accompagner, et deuxième kill pour le mid laner Heretics. Ah, très bien joué de la part du mid jungle de Heretics qui bouge bien ensemble sur la carte, qui n'hésite pas du tout sur Razork. Razork qui pourtant avait l'information, il l'avait vu sur une ward passer Yankos, il n'a pas forcément respecté le potentiel roaming de l'Ari de Zuiru. Et il se fait encore une fois surprendre, et une Ari en 2-0, c'est un très bon début de game pour Heretics. Ouais. Faire attention, hein, ça peut aller vite avec une Harry, et sachant que bah, t'as Malignan. Oh, attends, il a pris l'aggro avec la cape solaire. J'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser, mec, c'est quoi ça? Enfin. Allez, les deux morts top. Les deux morts top, c'est n'importe quoi. Bah, c'est pour ça qu'en LPL, ils font souvent côté pineuse, du coup, ils prennent pas l'aggro aussi facilement. Ouais. Je vois un peu ce truc. Mais. Et là, c'est vrai que c'est un peu. J'ai mis des doutes sur l'entrée en game de Oscarine et Wunder. Dans un match-up où, franchement, ils ont pas grand-chose à faire en plus. T'as juste à genre récupérer des plaques sur les timings où t'as trade comme un malade juste avant, ou alors, je sais pas, tu pisses kill, t'attends et tu joues des tanks qui en mid-game sont imbutables. Et voilà, c'est genre sur ce genre de timing, allez, tu récupères ta plaque et tu recules. Ah bah là, il dit qu'il va aller proxy. Wunder, il a bien raison. Ouais. La live extrêmement haut. Oscarine a un petit peu le seum, il va le courser. J'ai l'impression qu'on va se mettre bien sur ce matchup top. Ouais, hein. On va taper une nouvelle fois, mais là il va traverser le mur. Même pas en fait. Hein. Il sait qu'il peut continuer de trade. Dans la logique, cette fois, il y a eu l'information que le dragon a été pris de l'autre côté de la carte. Tu vas la reprendre, la gros Wunder. Bah ouais. Bah il sustain, hein. Il la veut sa plaque, hein. Mais s'il te plaît, ne te refais pas stun avec l'aggro, s'il te plaît. Il a pris la plaque, il va revenir proxy un petit peu, et j'ai l'impression que la prod LEC veut nous montrer à tout prix ce matchup topside. Et toutes les interactions incroyables qu'il peut y avoir entre Wunder et Oscar. Après, là, le roam mid, il est intéressant. Sur un humanoïde qui est obligé d'avancer. Je suis mort dans les chill, hein. Ok. Mais c'est vrai que la wave mid, d'une façon où on pourrait au moins faire péter le flash d'humanoïde. Ouais. On avait le Jarvan qui était pas trop loin, le décalage de Rek'Sai. Il y avait de quoi faire. Bon, Wunder va également normalement voir le roam d'humanoïde, l'arrivée également de Razork. Wunder, faut s'en sortir en vie, hein. Il s'était préparé à cette position. Alors, sur la carte, pendant ce temps, est-ce qu'on peut faire un play du côté de Heretics, puisqu'il y a eu 4 joueurs statiques qui vont bouger sur le top side, on peut prendre un petit peu de vision. Du côté de Trimby, récupérer une plaque sur la bot lane.
En vrai, de vrai, notre rôle, c'est du hint tactique. C'est good death, c'est ça? Bah, c'est presque une good death. Hein. Ouais. S'il y a deux plaques sur flaquette, franchement, c'est une good death. Ouais. On a pris de la après, vision assez loin. Il y a Oscarinine qui récupère en... de l'autre côté également et il va avoir qu'une seule plaque. Ils ont eu toute la vision, donc c'est ok tiers. Après, bon, évidemment, Oscar répond. On va voir s'il va continuer la stratégie Wunder de venir proxy en permanence ou non. Peut-être qu'il s'embête un petit peu à jouer Rek'Sai contre Udyr, il a envie de pimenter sa game. Voilà le jump-in de Wunder. Ok, la morsure qui va arriver. On voit que le Udyr n'a pas encore perdu son shield. Et les grandes victimes de tout ça sont les creeps. On s'attendait peut-être à autre chose, mais non. Okay, il y a la vision bot side, on veut essayer de forcer du côté d'Heretics, mais il n'y a pas vraiment de possibilité. Jinx dépush en plus très rapidement. Par contre, sur la top lane, je voyais la Orianna de Humanoid qui voulait peut-être monter et prendre encore un free kill, mais on se dit qu'on mettra trop de temps. Hein, tu sais, Rek'Sai a seulement deux joueurs. Il n'y a plus de mana maintenant sur Oscar qui a un back TP à faire dans très peu de temps. On a une ulti sur Yonkos. On n'a pas la possibilité de venir agresser Humanoid. Si on avait forcé Flash plus tôt, peut-être qu'on aurait forcé ici. Mais on va plutôt forcer dans la rivière. Alors, Zuru qui trouve un nouveau bisou. On a également l'ulti de la Renata qui est bien trouvée. Noah qui a déjà réussi à Flash out du cataclysme de Jarvan. Okay. Et Razor qu'au milieu de la mêlée, tank bien pour l'instant. Mais Zuru est toujours bien placé. Oh, Noah est maintenant tout seul. On n'a plus de Flash. On est bloqué pour la Dekari Fnatic qui va tomber. Deux kills pour les Heretics. Mais un de l'autre côté. Et Oscar arrive et se fait respecter avec son Udyr. Ouais, il se fait respecter en effet. Il va extrêmement deep. On va flasher du côté. Deux Razor qu'on n'a pas forcément les dégâts, il se douche sous la tourelle Oscarinine ici mais il ne pourra pas faire la différence entièrement, il va essayer de bloquer un petit peu les backs des joueurs hérétiques, ça ne va pas prendre un mauvais bisou de Zuru par exemple. Et on temporise et pendant ce temps là c'est Wunder qui est content parce qu'il est en train de prendre une tourelle. Hein. Ok, on a plus de shockwave pour Humanoid bien sûr, mais le dive va être complété, Flakhead ne peut rien faire face au Udyr, le shutdown est récupéré par Humanoid. Trimby qui arrive, qui essaie de protéger son jungler mais il va également tomber, Razor s'en sort en vie. On est gagnant sur le bot side pour les Fnatic. Mais c'est tout de même une Rek'Sai. 5 plaques premier tour, attention. Attention à cela. Oscarine qui fait une énorme différence dans le fight. Bien trop tanky. N'a pas eu tous les dégâts de venir le gérer. Du côté de Heretics, on n'a pas réussi malheureusement à faire tomber Razor qu'on a vu Kyonkos a tenté. Il n'y avait pas vraiment d'échappatoire possible ici. Et dans 30 secondes, il y aura un dragon. Par contre, il n'y aura pas de téléportation pour Oscar et il y aura une TP pour Wunder. Humanoid, comment tu t'en sors ici? Comment tu t'en sors? Il a encore flash. Son flash. On garde le bisou pour Zuru. Et ok, et on a mis au final les deux skill shots au même endroit, mais le flash in est répondu. Ouais, c'est un shutdown, hein. C'est un shutdown pour Zuru en termes de god. Il est super bien dans sa game avec Sahari. On était en 3-0 du côté de Humanoid. On va revoir le fight qui a duré assez longtemps. L'engage de Trimby avec l'ultimate. On temporise. On a mis vraiment beaucoup de focus sur June. Et Noah qui flash pour se repositionner, mais du coup, plus de solution. Il est bloqué dans le pit et il peut pas vraiment jouer son fight comme il l'entend. Ouais. Et malheureusement, ses coéquipiers peuvent pas le rejoindre dans le pit avant la téléportation d'Oscar. Et du coup, au final, bon, c'est seulement la mort de cette Jinx. On doit revenir sur le live parce que le héros de la faille est en train d'être pris par les Heretics. Mais il y a tellement de joueurs Fnatic autour. On arrive tout de même à récupérer l'œil pour Yonko. C'est le teamfight qui démarre. Nouveau dashing de la part de Zuru qui va réussir à éliminer entièrement cette pauvre Jinx. Double kill et triple kill. Non, double kill seulement pour Zuru qui continue sur Red Games. Splendid 6-1-1. Il est en train de les détruire. Il a très bien joué. Il a attendu le CC. De Yonkos, directement, il s'est projeté sur un Noah qui n'avait pas de summoner. Très très facile de prendre le kill ici. Il est largement en avance en termes d'itémisation. Il met d'énormes dégâts. Et du coup, les Heretics vont pouvoir se retourner derrière en ayant pris ce héros de la faille. Mais qu'il a sur le dragon. Il a déjà sa concentration lointaine, Zuru. Hein. Enfin, cette Harry doit être respectée partout où elle va parce que maintenant, elle peut un setup, mais deux, elle a des angles de solo kill qui viennent de s'ouvrir vu l'avantage qu'il a dans la game. Il a très bon repositionnement de Flakhead. Hein. Donc super combo sur 3 joueurs, stun de bomb sur Noah, très bon flanking. Et on est passé un petit peu de manière effrontée du côté de Fnatic sans faire attention du tout au flank. Et flank, c'est ce que veut faire Zuru avec Sahari, il a pu le faire beaucoup trop facilement. Oh regarde Zuru, il va forcément tenter encore et encore, le bisou qui est touché. Il va même passer à travers les chompers. Et on récupère un nouveau kill pour Zuru. On a même eu l'assist pour Flakhead. On répartit les golds. On est magnanime pour le Mjolnir Heretics.
Combat qui voyait Fnatic l'emporter assez facilement. C'était sans compter une telle performance de Swoo sur ça, Harry. Après, tu vois, en écart au gold, ça va. On est humanoïde et pas si loin que ça. Hein. On a les 30 CS de différence. Peut-être la tour qui a été récupérée top avec un peu de gold locaux. Ouais, humanoïde est pas si loin, hein. Mais c'est juste que le power spike 2 items est très très vénère ici. Je t'avoue que ce qui m'inquiète surtout, c'est que Noah est bien derrière et ils ont besoin d'une énorme Jinx dans cette game. C'est quasiment une AD centrique hein, autour de Jinx en vérité cette partie. Et comme Noah est pas très bien, ça peut être compliqué d'avoir les dégâts. Sublime ce bisou de 0. Ouais, il le touche malgré le ghost de Noah. Hein. Donc c'est à travers le ghost. Et maintenant, on a encore un flash sur Noah. On n'est pas trop inquiété par Jankos. Mais tout de même, on doit respecter. Est-ce qu'il peut protéger top après, sur la T2? Ou est-ce que c'est compliqué? On veut juste forcer mid lane. On va avoir la décision de Jankos. Ce sera pas top, ce sera plutôt sur la bot lane qu'on va essayer de partir avec ce héros de la Fire. Jankos, est-ce que tu es un bon pilote? Parce que la tourelle tombe directement s'il arrive à la charger. Normalement, c'est faisable. Jankos, le virage, il est sublime. Bon. Il est bon, il nous a fait une Parus. Du coup, c'est les deux T1, deux dernières T1 récupérées avec ce héros de la faille. Ça a une belle valeur. Alors, il va où avec ça, Rek'Sai? Est-ce qu'il va se rendre compte qu'il y a une Sejuani? Non, il va juste rendre down. Ok, ok, non, bah il est safe, hein. Tout va bien. Il va aller pouvoir faire les corbins, c'est parfait. Mais il est en full, il sous dans la game, Wunder. Et qu'il est. Mais il est dans son monde, hein. Oui. Et là, attends, il peut plus retourner dans le sol? Il y a personne qui va le gêner, de toute façon, personne qui avait de quoi le tuer. 2 minutes 30 avant le dragon. On se redéploie un petit peu sur la même du côté statique. Faut reprendre ses esprits. Il y a quand même une arena qui a deux items autour de laquelle on peut jouer. Faut attendre un petit peu par contre pour que Noah soit prêt lui au combat avec sa Jinx. Il lui faudra un petit shutdown. Ça lui ferait du bien par exemple de tuer Larry Noah. Il en a besoin pour revenir dans sa game. Il faudra une roquette bien placée. On va voir également le langage de Razork. Bon, on a quand même des sandales de Mercure également sur cette Harry, donc même une engage de Razor va peut-être pas être suffisant pour vraiment pouvoir la gêner. 2 minutes avant le dragon, Baron Nashor qui va apparaître, mais à la limite si Fnatic était mieux, ils auraient une composition qui peut inquiéter autour du Nash, autant Heretics, ouais. C'est pas encore le cas. Ouais. C'est compliqué de pouvoir jouer à ce niveau-là, c'est vrai que le Nashor va être un problème pour Heretics. Le dragon, je pense pas qu'ils aient de quoi défendre Fnatic, ça va être difficile de venir fetch lake, ils vont forcément se faire flank. Il y a très bientôt les deux items sur Flakhead. Qui fait le lambda en deux, tiens. Pas commun, on aime toujours soit le danseur fantôme, soit le Runan. Et dans cette game où t'as une triple frontline, le Runan sera bien agréable. Oui. On verra ça plus tard. Bon du coup... Est-ce qu'on peut catch Oscar? Il y en a tout même 3 dessus. Il a pas de flash, il a pas de flash, il est bloqué dans l'arène. On va essayer de mettre les dégâts du côté de Larry. Il y a absolument tout qui passe. Oscar qui prend de lourd damage. Et je pense qu'il est foutu. Il va essayer de courir un petit peu avec son ghost, essayer de gagner du temps. Mais il y a un combo de Yankos qui va revenir maintenant. Et il est loupé. Donc il gagne pas mal de temps. Et s'il prend la wave, c'est big en vrai. Ouais, mais vraie question. Est-ce qu'il prend également la fuite? Parce que là, il va récupérer encore son E. Il va juste se barrer à travers le cataclysme, à travers l'ulti Harry. Ah, quoique. Il y a un autre combo là, normalement il est foutu. Ok, nouveau bisou. Et on a le kill qui est récupéré par Zuiru. Et du coup, go-in de la part de Wunder. Ah, il essaye d'engage. Pour avoir une possibilité, pas forcément le meilleur timing non plus. Un peu ultimate sur Javan, plus ultimate sur Harry. Enfin, quoique. Harry, c'est presque déjà revenu en vérité sur Zuiru. Et il va se repositionner pour pouvoir inquiéter. La pink ward est toujours bien placée. On prend tout ce temps. Ce que Oscarini n'a permis, c'est tout de même la reprise de toute la vision topside pour Fnatic. Pas dire qu'ils vont pouvoir jouer le Nashor immédiatement, mais au moins qu'ils n'en sont pas inquiétés si jamais ils se dirigent sur le bot pour pouvoir contester le dragon. J'ai l'impression qu'ils veulent jouer le Drake, les Fnatic. Il y a une ward, il y a deux wards derrière vers le red buff qui peuvent être très très bonnes pour Wunder ou Zuiru. Attention en fait, chaque Jankos qui pourrait se faire punir ici, mais il a eu le temps de voir Razor qui met un superbe buffer sur l'ultimate de la Sejuani. Très très bien joué Jankos qui a encore de bons réflexes. Attention Zuiru, attention le flank. Ça peut être une bonne comme une très mauvaise idée vu qu'il n'a plus la vision dans la petite corniche. On pourrait le voir venir. Wunder est en train de taper la T2 sur le top side, mais les Fnatic ont eu l'autorisation de faire ce dragon contre deux T2. C'est bien pour Fnatic. S'ils arrivent à prendre un T2 mid lane, c'est vraiment bien pour eux. Je pense que le trade
largement rentable. En plus, Larry, elle est en train de push bot lane. Ils ont vraiment aucune wave sur lesquelles jouer. Ils perdent beaucoup de CS, ils perdent beaucoup d'expérience. Et même s'ils récupèrent un dragon, le prix de ce Drake est bien trop élevé. Hop là, une nouvelle wave qui crash. Juro peut s'autoriser à auto-attack un peu. On a encore son ultime dans tous les cas. Mais bon, si on avait une meilleure compo pour pouvoir faire le Nash, Heretics aurait pu accélérer dessus. Mais c'est pas les qualités de leur composition. On a quand même full vision topside, Fnatic va repasser dessus. Et Zuru va tenter son... Ah, il a bien raison, il met des dégâts plutôt corrects. Après c'est dur de vraiment commit sur une Orianna. Il y a encore le Seraphin. Il lui faut plusieurs rounds à Zuru et Humanu lui fait très très mal si jamais il arrive à passer une shockwave ou quoi. Wunder qui est complètement vu par 10 000 wards qu'il n'a pas clear. Il a dû passer sur des pinks en plus. Hein. Ou alors c'est qu'il a vraiment fait sec aucun buisson. Mais le topside, on ne voit rien du côté de Fnatic. Les Heretics essayent d'accélérer sur le botside, on dépêche à la shockwave du côté du Manuel. C'est plutôt bien joué de sa part. Je sens qu'en side, ça va devenir difficile pour Fnatic. Oh, et ce genre de roquette donne également l'information que bah, on n'en a plus aucune du côté Fnatic autour du Nash. On a peur de ce qui se passe. On a tout de même les trinkets bleus qui semblent disponibles pour Orianna et Jinx. Mais... on va se faire surprendre, je pense, au niveau de la botlane. Humanoid ne doit pas considérer que Zuru est encore dans le coin. Et c'est parti, c'est parti. Wunder qui va déjà forcer le flash de Humanoid et le bisou de Zuru est encore une fois extrêmement précis. Et on va réussir à trouver un catch pendant qu'on démarre également le Baron Nashor en même temps. Très très bien joué, les Heretics, c'est forcément, il y a de la téléportation. On va téléporter. Est-ce que la Rek'Sai a le temps ou est-ce que Razork va trouver le cancel? Non, Razork trouvera un cancel, mais je suis même pas sûr qu'il puisse tuer la Rek'Sai, loin de là. Et du coup, c'est un Baron Nashor, une T2, un kill pour des Heretics qui sont en train de détruire les Fnatic. Le play sur la carte est vraiment très très bon. La vision topside qu'ils ont depuis un bon moment. Et beaucoup se jouent autour de Zuru. Hein. Vraiment, beaucoup démarrent autour de cette Ahri. Ah, il est fort hein, dans cette game. Alors là, son lead il lui a été un petit peu offert par hasard qu'en early, mais il l'a super bien utilisé. Et là, on a du mal à voir les solutions pour les Fnatic qui sont quasiment à 10 000 gold de retard. Toujours pas de deuxième item sur un noix qui n'a pas de game. J'espère qu'il a quand même cette lame d'un sur la wave top. Parce que là, on se dirige déjà sur son troisième item pour Flakhead. Il sera un danseur fantôme apparemment. On n'est pas sur le runon au final. Et la lame d'un fait enfin valider pour Noah. Tardif, très tardif. Attention à Zork. Ok, il va être vu. Ah bah, c'est fait voler le Gromp. Heureusement que c'est qui fait encore plus mal qu'une mort en tant que jungler. Le bisou était pas loin. Il y a eu un Rabadon sur l'Orianna, c'est peut-être ça la solution. Une énorme shockwave de humanoïdes. Et bon, ça me semble compliqué, on est en train de synchro les waves du côté de Heretics qui est vraiment arrivé préparé dans ce BO, il semblerait. La wave mid va crash du coup à peu près en même temps que la wave bot. Et Wunder est déjà en train de taper la tour sur le top side. Hein. Les trois sont synchro. Pas à la milliseconde près. Mais t'as du coup la pression sur trois lanes à la fois. Bien joué. Hein. Au top ça va craquer. Hein. La Rek'Sai est en train de passer par rapport à l'Orianna du Manuel qui peut pas y faire grand chose très franchement. Il y a une T3 déjà qui est tombée. On continue de siège du côté des Heretics. Si on cause qui se met intelligemment devant le canon pour gratter un maximum de dégâts sur la tourelle. Et Wunder qui a encore mis un sacré taquet sur la tour mid. Hein. Ça continue d'avancer. Attention à la shockwave. Elle n'a pas encore été lancée. Le charme de Zuru est encore une fois très précis. Ouais, mais il perd son ultimate tout de même avec Sahari. Ahri niveau 16. Ouais. Je viens de voir. Donc c'est un ulti. Normalement, niveau 16, si elle a également les stacks dans l'arbre rouge, c'est 24 secondes le cooldown. Ah ça, non mais ça va revenir très très vite. Ouais. Oh, ça c'est sûr. Est-ce qu'on va vraiment passer pour Heretic, sachant qu'il y a un dragon dans 20 secondes? Est-ce qu'on veut vraiment forcer? On va tout mettre du côté Fnatic pour aller chercher le shutdown sur Zuru. On réussit à toucher une encre ici, mais il n'y a pas de dégâts. Il n'y a personne pour suivre. On a Humanoid qui est à la base. On a Humanoid qui allait acheter son Rabadon, il semblerait. Le cataclysme est très très bon et Zuru est en train de dominer. Nouveau kill. Wunder qui va dans la base adverse et qui se fait shockwave par Humanoid. Mais c'est le tank, c'est la Rek'Sai. Elle n'est pas inquiétée par si peu de dégâts. On penche sur les buteurs mid lane, la top lane c'est Wunder qui s'en occupe, on a une wave en plus bot side.
pour venir récupérer aussi cette inhib. Oh, c'est les Heretics qui sont en train de tout récupérer, qui ont peut-être même envie de finir la game tout simplement. C'est soit triple inhib, soit Nexus. On est en train de regarder pour une T4 déjà. Wunder est en train d'inquiéter Humanoid qui est obligé de reculer. La T4 va être récupérée et on s'avance vers une première victoire pour Heretics. Un nouveau bisou va toucher du côté de Zuirou pendant que Wunder prend des dégâts, s'amuse de la tentative de ses adversaires pendant que son équipe est en train de terminer le travail. Wunder n'est même pas mort. Heretics 1-0 face à Fnatic. 1-0 presque trop facile. Mais très 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 bon snowball du Harry Jarvan qui ont très bien fonctionné. La 0-6 plaquette qui est passée devant Noix qui n'a pas vu le jour, une composition à décentrique. Franchement pas très bien joué du côté de Fnatic avec des petites imprécisions top lane des deux côtés. Mais globalement, Heretics a maîtrisé son sujet. Ouais, avec un MVP, Zuirou, qui semble clairement évident vu sa partie. Bon, on va voir ce qu'en ont pensé Robalas, Marex, Twix et peut-être Cosmo au niveau de l'analyse desk. On se dit dans une petite minute. À tout de suite. Sacré début de série tout de même pour les Team Heretics et les Fnatic qui se font couper en deux. Tout simplement 25-26 minutes. Honnêtement, une leçon. On est là pour revenir dessus sur certains détails marquants tout de même du match parce qu'on a eu des petites dingues. Première impression, tandis qu'on a la draft qui se réaffiche, Marex, Roba, Harry XXL. Mais en même temps, comment pile cette Jinx de Noix avec ces conditions? Ils prennent le Nautilus avec la Jinx. Dans l'idée, c'est OK. Je pense qu'ils doivent peut-être essayer d'accompagner un petit peu plus. Ils ont tenté genre double front lane. En vrai, je pense que la compo Fnatic est OK. C'est pas ce qui les fait perdre. Juste le fait qu'ils puissent récupérer deux free kills sur Razor avec sa Harry en early. Le métro, parce qu'en lane, on le voyait au niveau des trades dans la Orianna, il n'était pas au max. C'est ce que je disais par rapport au BO précédent. Ils allaient probablement rejouer Harry. Il a été plutôt bon dessus. Il se fait un peu bouger dans ce match-up en 1v1, mais juste c'est Harry, tu vois, il prend un kill à droite à gauche et derrière solo Q-Stein. Ouais, ta malignance, il avait trois items ennemis à 20 minutes. C'était une folie. Marex, moi je pense que la draft des Fnatic est OK, mais qu'elle se fait vraiment counter par celle des adversaires parce qu'ils piquent très tôt Ori et Jinx pour laisser un Jarvan en face. Le J4 est incroyable. Le Jarvan bien joué par Yankos, ça permet d'avoir assez d'engage pour te permettre d'avoir une Renata support qui est complètement broken quand tu peux te permettre de l'avoir en draft, et en plus elle se combine bien avec Jarvan, donc le combo des deux était abusé. Tu te remets du move au Robalas. La Harry prend des free kills en early et tout le monde fait son taf, et aussi les Heretics ont été un peu plus décisifs mécaniquement et sur la map, enfin le tout additionné. Les Fnatic sont fait 26 minutes. Voyez ici, regardez l'inventaire des joueurs Fnatic. Alors vous l'avez pas vu, mais du coup on le voit plus. Vas-y, vas-y Robalas, vas-y. Eh bien, les Fnatic ont décidé de build 3 vœux du chevalier dans cette game, sous réserve de confirmation. Je pense que quand tu es lié avec quelqu'un, que ce soit en étant porteur ou en étant receveur du lien, tu peux pas en recevoir un autre. Donc en gros, celui du Nautilus était lié à personne, donc il avait un vœu du chevalier pour ne pas l'utiliser pour la prochaine game. Ça fait plaisir du coup, belle optimisation, ça fait vraiment plaisir. Il aurait pu le revendre. À confirmer. En fait, on a regardé les flèches, vous savez, les flèches sur les pieds, sur les hitbox des champions. Nautilus n'avait aucune flèche autour de lui. Dans tous les cas, quoi qu'il advienne, Nautilus, vœu du chevalier, pas linké pendant les 5 dernières minutes de la partie. Bon, c'est évidemment pas ce qui fait que les Fnatic lose, mais bon, c'est quand même assez sad. En vrai, tu me casses les couilles. Non, mais littéralement. Oui, mais. On est en playoff pour qualification MSI et World, il a un item qu'il utilise. S'il y avait que ça, parce que bon, le gank me. Les deux morts de Razork, je les trouve très sus. Et en vrai, ça confirme un peu ce qui s'est passé contre G2, quoi. Si t'attaques Razork et que. Là, ils se retrouvent à jouer Sejuani. Ce qui n'est pas forcément si mauvais que ça pour lui en réalité. Hein. Des Poppy Sejuani, c'est un peu une recette Fnatic depuis bien un an et demi, deux ans. Et en vrai, il est en 0-2. Tu connais bien les recettes Fnatic. Always Fnatic. Always. Non, mais je sais pas, il a décidé de me casser les couilles. Mais ouais, je sais pas, je pense que ça peut vite snowball de 0. Hein. Va falloir que Fnatic trouve une solution directement. Je sais pas s'ils vont changer de side. Et je ne sais pas si je vais réussir à continuer la soirée avec Max qui me casse les couilles. Il y a littéralement un chink intervention. Fnatic change de side, ça te rassure? Rassure, en vrai je
m'en branle, mais... Robin n'a plus envie de casse. Bah oui, un peu. Non, mais c'est bien qu'il y ait un changement de set, parce que là, il n'y avait vraiment rien qui n'allait dans le BO, donc autant tout reset, repartir sur autre chose niveau draft, et pourquoi pas récupérer soit Harry, soit Azir, parce que là, à l'ouverture en Orianna n'a pas fonctionné. Non, c'est très triste de voir Fnatic s'effondrer comme ça. Quand oui, même. Je suis d'accord, mais je pense pas que Orianna c'était le problème dans la draft. Vous savez que si Fnatic perd le prochain match, et notamment d'une manière rapide, ils auraient fait une phase de playoff avec que des games avec une moyenne de tempo à 25 minutes. Genre, ce serait insane, ce serait probablement... Assez inattendu. Ce serait probablement historique. Messieurs, on s'arrête ici. Place maintenant à la game numéro 2 entre Team Heretics et Fnatic. Les Heretics mènent Fnatic 1-0, Fnatic Redside. À tout de suite. Mais que se passe-t-il chez Fnatic? Ils sont actuellement à une petite partie, et bien simplement de terminer cette run de playoff. Et il faut dire, dans les trois dernières games disputées, les trois étaient des défaites, puisqu'on a eu la série contre G2. Mais en plus de ça, elles étaient en moins de 30 minutes. Ouais, c'est pas la folie, hein. C'est pas la folie. Dans les games, il n'y a pas grand-chose de positif à en tirer. Je trouve que la game précédente, à part Humanoid qui tient un peu la baraque avec Soriana, il est fine en CS, pas forcément trop d'erreurs. Il joue contre un laner qui se fait offrir un kill cadeau, et un ouais. buff sur un gank level 3. Tu sais, quand t'es mid laner et qu'il se passe ça... Moi, je fais des saltos, perso. Oh, je suis ouais, trop bien. C'est dur, hein. C'est dur pour le mentalement. Alors, ils ont pris le red side. On va voir un petit peu au niveau de la draft. Déjà, je pense que... Honnêtement, je pense qu'ils pouvaient gagner avec la draft. Mm-hmm. C'est pas forcément la meilleure, mais il y avait quand même moyen de piloter la draft dans la game précédente. Ah, si Harry t'es au one-tap, c'est clair que c'est pas trop jouable. Bah, après, ça reste quand même une draft avec deux carries immobiles dans Jarvan. C'est pas facile. Mm. Mais tu peux t'en sortir, tu vois. Sur le papier... ils peuvent faire des trucs en early un petit peu partout, t'as une Sejuani, il y a... C'est eux qui déclenchent, ils sont quand même dans une situation beaucoup plus avantageuse et tout. Tu prends clairement rapidement sur la Jinx avec un ulti Sejuani. Il y avait des choses à faire, mais on est rapidement passé derrière. Bah, il y a eu ce gank mid, il y a eu les 5 coups de tourelle pris au top qui donnent un kill au Jarvan en plus. Ouais, Oscarini n'a pas trop dosé avec son Udyr, il était en mode... Il était en mode Baba Boy un peu. C'est pas... T'as la ref ou pas? C'est l'OTP. Non, c'est une vidéo en ce moment. Ah non, je l'ai pas alors. Je pensais que c'était un OTP Udyr hyper connu. Ah, il était en mode Baba Boy, pas facile de... Je l'ai pas Baba Boy, mais j'espère que c'est OTP friendly. Oui, c'est complètement OTP c'est bon, friendly. OTP friendly. Ok, d'accord. Vous l'avez dans le chat, très bien, très bien. Bon, allez, on approuve. Les Fnatic qui seront donc sur Talia Zeri. Okay. On peut pas se courir avec Talia Zeri. Non, je pense que c'est ok. Surtout que c'est un bon flex. En vrai, Razork sur un carry, ça me mettrait bien. C'est vrai qu'avec Renekton qui est dans les pools, c'est possible. Ouais. Clairement, ça peut être dans les débats, ce flex. On verra s'il le garde longtemps. Après, j'imagine que c'est pris en réponse à Azir. Le match-up est plutôt pas mal. Oui, il est bien. Tu peux prendre le push, tu deny un petit peu les virgules, les go-in du Azir. Et puis, je pense qu'Humanoid est un bon pilote de Talia aussi, mais... On verra, parce que Razork récemment, je crois, on l'a pas vu sur beaucoup de carry. Non, c'est pas trop la thématique du moment. Mais ça m'étonne en vrai. Après, bon, en compétitif, il y en a pas tant que ça. C'est plus en solo queue où la méta, bon, top 5 du ladder jungle, c'est Talia Lee Sin. Ok. Mais je pense en compétitif, c'est pas. C'est un peu compliqué, tu vois, c'est un peu dur à sortir. Je sais pas, il y a des angles de Talia, mais Lee Sin, pas simple. Il y a tellement des carry intéressants en mid AD. Tu leur mets juste de la front en réalité. Mmh. On aura un Jarvan qui va changer de main, donc qui sera pour Razork cette fois-ci, dans Jinx naturellement. Ouais, dans Jinx, pour aller la chercher assez rapidement. Et on enlève le Thresh, forcément, la lanterne pour sortir la Jinx de l'ulti Jarvan. On pourrait peut-être enlever une Poppy aussi potentiellement. Ouais. Pour le topside. Après, s'il prend Poppy en blind, je pense que Oscar peut lui sortir une petite dinguerie, un Darius. Une Illaoi. Je crois que Darius, c'est horrible pour Poppy. Horrible pour Poppy, ouais, ça n'est pire. Il y a aussi TK, peut-être, qu'on envisage un peu, non? Il y a Tahmkench aussi qui pourrait être une bonne option en support. C'est vrai que la game précédente, ils avaient lock Nautilus avant que le Jarvan soit pris. Donc, du coup, c'était un petit peu bloqué. T'avais pas cet outil support. On a le Thresh. On pourrait ban le Tahmkench, d'ailleurs, pour Fnatic, si on veut. Après, en vrai, si tu veux rester dans une composante main carry Jinx, Milio, tu peux cancel combo Jarvan Azmilio,
Ouais, c'est pas super facile à faire. Enfin, ça va. Ça va, mais le côté difficile, c'est le cataclysme. C'est pas tellement le combo passé un moment. Quand même. Ils ont Renata. C'est vrai que Trimby a pas mal joué la Renata. Donc en vrai, ça reste un. Bah, donc, il reste Tamkench. Moi, Milio, je trouve que c'est ok aussi. Hein. Parce que Jarvan, pour l'instant, dans la compo Fnatic, c'est la seule engage. Ouais. Tu cancels son combo et il est pas en range d'ult. T'as Jinx. Il y a un mur Talia, mais bon, c'est quand même mineur, on va dire. On aura qu'à santé. Et le pick support encore à déterminer pour les Fnatic. Ok, il préfère jouer le counter pick support et dévoiler la top lane. Du coup, on aura le counter pick pour Wunder. Ça va être genre TK à gauche et Rakan à droite, un truc comme ça, je pense. Ça m'étonne quand même qu'on prenne pas le counter pick pour Oscar, parce que je pense quand même qu'il a montré qu'il était capable de, tu vois, de déranger des top laners en LEC. En vrai, je trouve que bon, son arrivée en LEC a pas été la meilleure, Oscar, on s'en souvient, c'était pas facile. Oh oui, de fou. Mais il s'est un peu établi en vrai comme un top laner de la ligue, et ne pas lui donner le counter pick, ça me surprend un petit peu, mais j'imagine qu'on veut mettre cette bot lane un petit peu devant. On hésite au niveau du support. Non. Moi, je voyais TK à gauche, Rakan à droite, mais ça a l'air bizarre comme ambiance. C'est Rakan à gauche, finalement. Ce qui me semble à peu près ok. Après, c'est comme la game précédente. Au final, t'as pas grand-chose pour pile ta Jinx d'un cataclysme. Mm. Et du coup, ce sera le Alistar pour les Fnatic. Ok. Dans le rapport de force de V2 bot, je pense que Heretic, c'est un peu l'avantage quand même au niveau du push, tout ça. Ouais, en théorie, bien sûr. Bah, Jinx, hein, de toute façon, grand classique, mais... Après, ils auront pas le push au mid. En tout cas, en early, Talia va avoir le push sur le Azir, c'est sûr. Je me demande, c'est quoi vraiment l'intérêt de ce Rakan overall, parce que... Ah, pour le deny, potentiellement. Ouais, c'est certainement plus un truc comme ça. Hein. Je pense, pour le deny... Je trouve pas qu'il fit... Enfin, Rakan, ça fit partout. Bon, oui. D'accord, mais... Tu vois, t'as Azir, Maokai, en vrai, tu prends un support qui fait que pile ta Jinx, c'est ok, je pense. Bah, c'est pour ça, tu vois, moi je pensais à un Milio, bah, il avait pré-lock Janna à un moment, enfin, ce genre de truc. Un enchanteur, honnêtement, ça me paraissait ok. Ça aurait peut-être été le cas s'il y avait eu le blind support chez Fnatic, mais ils ont voulu le counter, et en vrai, avec le Alistar, ils sont pas mal. Sur une bonne game de Noah, c'est une bonne game de Zeri, honnêtement. Mmh. Il a pas énormément de menaces, je trouve. Enfin, tu peux vite repousser l'engage, la Jinx va rapidement se retrouver dans une situation compliquée. C'est la cible de choix. Honnêtement, avec un Jarvan, t'as très peu envie d'aller sur le Azir. Mais le Azir peut rester à côté de sa Jinx et pour repousser et à la partition. Et puis, effectivement, lui-même, avec la partition, un peu faire office de Janna de poche. C'est vrai que c'est... clairement une option, tout ça dépendra de qui a l'avantage et qui engage en réalité. Et ça, on va le découvrir directement in-game, mesdames et messieurs. On est parti, second match de ce BO3 lower bracket playoff entre Fnatic et Team Heretics. 1-0 pour les Heretics, balle de match en conséquence puisqu'il s'agit d'un BO3. On y est et on a la game au début, on a la game cette fois-ci et pas... Un gros plan sur le caméraman. Ouais. Ça fait plaisir, merci beaucoup à nos homologues de Berlin. Ouais, on a Allez. Décidé du coup de laisser passer le Azir 2-0. Il a été bon, on l'a vu dans le pré-show. La semaine dernière, ça a été un petit peu la pierre angulaire de draft Heretics. Juste méga solide en fait. Solide bah, tu regardes leur draft, ouais. On retrouve un petit peu la draft de la game 2 la semaine dernière. Azir Jinx, le Maokai qui avait été récupéré. C'est un pari très réussi pour Heretics. Zwiru rôde dans la scène EU Master depuis pas mal de temps. Ça va faire mal un peu. Dans la scène EU Master depuis pas mal de temps. Bon, je pense qu'il y avait un flash qui était forcé sur Humanoid. Ouais, probablement. Si Trimby avait mis un W et sur la Talia, c'était... On est à 1 minute 10, hein. J'ai pas peur de le lire. Il est foutu. Enfin, il va devoir hard push la première wave et... Je pense qu'il a peut-être les cookies. Il est dans le dur de zinzin. Après, il prend quand même le push. Hein. Ouais, il prend le push. Talia, ça prend toujours le push. Il prendra quand même le push. Il peut claquer deuxième potion. C'est ce qu'il a déjà fait. Il va space un petit peu. Il a bien les cookies. Je pense qu'il est OK. Il est OK. Même. Deux bots direct en entrée de lane. Bah, il va juste devoir TP back un petit peu plus tôt que prévu. TP tir, et voilà quoi. Après, ça peut être le bon moment parce que tu sais qu'il va hard push comme un zinzin pour forcer son reset. Peut-être le moment de lui lâcher un bon vieux flash W Maokai des ancêtres. Hein. Hey, Humanoid, sans doute. Il t'a probablement entendu. Il a déjà lâché son trinket sur le bot side. Il va probablement hug un peu le bot side pour se safe avec ce trinket-là.
et tenir jusqu'à, sa TP. Attention, passage level 2 quand même pour Jun et Noah. On prend beaucoup de dégâts sur les deux supports. Ça reste quand même à l'avantage du Heretic, je dirais. El Maokai qui pourrait se rendre disponible sur ce bot side en réalité si tu veux aller chercher un petit dive. Après, c'est pas toujours simple de dive un Alistar Aftershock. Regarde un petit peu ce qui se passe entre les deux junglers. Le red buff, hein, qu'est-ce qu'il fait Yankos après son red buff? Ça, la grande question. Et mid lane, il n'y a pas eu de back TP. Humanoïde a toujours un désavantage de une potion par rapport à Zuiru. Et le push est contesté, hein, visiblement. Ok, Yankos est déjà présent. Razor qui a l'air de start le gromp, donc potentiellement il y aurait un petit timing à exploiter, mais ça ne sera pas pour l'instant. Il va venir prendre l'information. Humanoïde ou Razor, qu'est-ce qu'il a en tête? Il a un smite, hein, Yankos. Il est où ce petit Yankos? Il est là. Il a mis du temps à venir. Peut-être un passage vers la mid lane. Du coup, on a l'info. Enfin, les deux jungles se sont repérés l'un l'autre. Et Yankos a un petit retard au niveau du clear. Hmm. Et là, il a quand même deux camps de retard. Hein. Ça commence à faire beaucoup, on est d'accord. Bonne poussée. Après, le trade back le met pas forcément ultra bien. Ils veulent le dive, hein. Ils veulent le dive en mode gladiateur. En tout cas, mettre la pression autour de cette mid lane. Essayer de snowball un maximum sur ce qui s'est passé au niveau 1 sans conséquence. Trimby n'est pas en danger a priori. Non, je pense qu'ils vont prendre la plante. Il veut peut-être essayer de spot les golems. Ok. Vraiment la pêche aux infos. Hein. Ouais, donc là on sait que le Maokai est dans la river top. On pourrait aller sur ce Azir, mais bon, Zuiru qui joue bien le coup, il est vers son Maokai. Il a le mana nécessaire pour se repositionner au E. On va TP back pour Humanoïde probablement avec la tire, en parler. Tirbot. Tirbot et Hombourg tout simplement, il attend le respawn des Krugs Yankos. Je crois qu'il est un peu déçu, il a son gromp derrière là, je sais pas trop ce qu'il fait Yankos. Il est sûr d'avoir un respawn. Ok, bah très bien. My bad. Il a le respawn, il traque bien, mais après il va y avoir Jarvan qui peut arriver. Il a pas forcément le push au mid parce que Humanoïde il a déjà fait son back TP. Ah, il le smite, ça va passer. Il est niveau 4 là ou parce que... Non. Hein. Niveau 3 toujours, stuck, après, avec un reset en moins. Oscar peut pas se rendre disponible sur ça, la Thalia pas réellement oh, John. Plus. Ok, oh. Très bon flash, ça a été cancel, c'est bien follow-up par Humanoïde. Ce sera first blood pour cette Thalia, très bien joué. Zuiru qui peut-être grid un petit peu une wave. Grid la wave, grid son flash hein, surtout je pense. Après il s'attendait peut-être pas au flash du Alistar, il avait déjà lancé l'animation de son E. Ouais. Il était sûr, mais il avait plus de soldats pour mettre le E directement derrière lui. Ouais. Il était obligé de Q et après E, visiblement. Oh, c'est bien joué, hein. Ah, il y a encore hein, bah oui. On l'a vu que Jun tourne pas mal autour. Attention à Razork qui s'est encore une fois un peu perdu dans la jungle. Il est en 1v4. On a eu la TP. Il a un combo. Et il a pas de combo et c'est un kill. Bah. De game, c'est dur, hein. C'est dur pour Razork. Je peux comprendre ce qui se passe dans sa tête à Razork parce que. Bah, le midlaner vient de canner. Ouais, mais regarde la wave. Mais la wave top en fait. La wave top et la wave mid étaient vraiment pas bonnes. Ouais, mais wave mid, le Azir va forcément TP. Mmh. Son midlaner pouvait pas vraiment se rendre dispo. Au top, on avait vu que Oscar il était pas dans la meilleure des situations. Oscar était vraiment sur les rotules. Ouais. Plus de mana, plus d'HP. Mais dans le 1v1 jungle pur, il avait avantage oui, d'XP, deux long swords. Bon, si c'était un 1v1 de jungle à jungle, ce qu'il fait c'est bon, hein, bien sûr, mais. Ah mais malheureusement, c'est pas un 1v1 League of Legends. On connaît pas du 1v1. Et du coup, ça fait deux games qui donnent des petites ressources. Ah, surtout à Aatrox, c'est vraiment pas un banger. On sait que ce match-up, il peut... Ça peut déborder entre Aatrox et Kassanté. Ouais, on avait l'impression quand même que Oscar était pas dans les meilleures dispositions. Hein. Depuis le début de la game, il avait l'air de quand même pas mal se faire bouger. On verra ce que ça donne dans la suite. N'est qu'à santé, hein. Il y a une petite pote, je sais même pas comment elle s'appelle, mais c'est celle qui donne 20 d'adaptative. La pote. Ghost, tu peux faire un truc, il n'y a plus de flash sur le Aatrox. La deuxième. Ça peut se punir sur une petite erreur où tu le ramènes sous tour. Ah, c'est vrai que c'est un cas santé red side, donc un cas santé qui bénéficie du cas santé wall. C'est du bluff, évidemment. Ouais, sur le bot side, c'est assez tranquille. Hein. On a opté pour un Kulp, côté de Noah aussi. On va peut-être prendre un petit avantage sur la Jinx avec la complétion du Kull. Il est bien entamé cet abatteur d'ailleurs. Ouais, il a du base très tôt.
franchement. Et Emanuid qui est passé par la case Mercure pour le Maokai, on imagine. Mmh. Les flashs W plus tard dans la partie qui pourrait être dur à gérer. Ce dragon qui va certainement se compléter, quoique c'est pas gratos non plus. Pas beaucoup de mana sur la Jinx, pas de prio mid. Ils peuvent l'arnaquer à la roquette peut-être. Ils vont tenter. C'est Smite. Je pense que c'est communiqué et c'est Smite instantanément. Premier dragon pour les Fnatic. On s'est dirigé vers le top side pour essayer de trade. Il y a plus de roquette, hein. June potentiellement. Tu vas trouver un bump sur le Rakan. Il va y avoir les Chompers quand même. Attention à June. On sait qu'il n'y a plus d'ulti sur la Jinx, donc on peut se permettre un petit peu plus. Il n'y a plus de mana, donc on peut plus vraiment non plus mettre de attaque à distance. Ça va continuer en botlane. Hein. Ça va continuer. Razor qui se déplace. Humanoid également. Un mur de la tisseuse est attendu. Il y a encore deux flashs hein, quand même pour la botlane Heretics, mais ils n'ont pas l'air d'être prêts à défendre. La wave va crash et là, ça va être compliqué. Jarvan, il va falloir être bon. Hein. Les barres d'HP sont pas méga élevées, on peut react flash. Il y a les Chompers qui ont peut-être été mis un petit peu tôt de la part de Flakhead en vrai. Et on a été bien patient du côté de June. Humanoid qui prend quelques coups de tourelle, mais il va venir finir le travail. Très bonne game d'Humanoid pour l'instant sur sa Talia, mais. Dive très bien manœuvré, pas d'erreur notable. On s'est pas précipité sur les Chompers, il y avait des flashs, tu l'avais dit. Les prises d'aggro étaient bonnes, les sorties d'aggro étaient bonnes également. Non, c'est clean. 2-0 sur la Talia, 1-0 sur la Zeri avec le Kull, tu en parlais, qui est déjà bien entamé. C'est clean. Parce que le spacing est bon, mais je pense qu'il met un peu tôt les Chompers au sol. Bah, il met les Chompers, mais le truc c'est qu'il reste à côté des Chompers, donc même s'il a... Il s'avance en range de Q à l'Istar sans qu'il prenne les Chompers, donc il est... C'est bizarre. Il est chill, June. Puis là derrière, Humanoid qui finit bien le travail. Solide hein, pour l'instant sur sa Talia. Ouais, franchement... Solide malgré un start de lane à 200 HP, 2 potions en moins. Carré. Et c'est clean. Marek Brazda hein, dans toute sa splendeur. Je trouve bon sur les playoffs, même si Fnatic n'a pas forcément le meilleur track record sur le début de ses playoffs, c'est solide en mid lane de la part de Humanoid. Même la game précédente, honnêtement, je pense que c'est celui qui... C'était le seul un peu qui était... Qui fait que la game ne dure pas 17 minutes, quoi. Allez, un bon lancement pour Fnatic. Et Talia, en vrai, devant, dans cette game, ça a beaucoup d'impact, hein. Tu gênes le Rakan, tu gênes aussi le Aatrox. Le Aatrox, ouais. Et en vrai, sur un spike 2-3 items un peu plus tôt que les autres dans la game, tu peux aller déranger une Jinx, un Azir avec une poussée sismique sur un follow-up de combo Alistar, ça va vite, hein. Ouais, même un combo Jarvan. Bah là, c'est vrai que mid jungle sup, très clairement, c'est un sacré tandem. Et puis là, maintenant, il a permal push aussi. Accessoirement. C'est clair que pour Zwiru, bon, il n'aura pas beaucoup de retard sur le wave clear. Ça reste à dire, mais quelques secondes par-ci par-là. On veut insister sur ce bot side, Humanoid qui a la position, mais qui du coup doit revenir nettoyer sa mid wave. On met de la pressure. On ressent pas le besoin de voler au secours d'Oscarinine pour le moment. Ouais, bon, malgré ce kit d'ouverture. La santé, je pense. Il sait qu'il est en Wixa, il est chill. Hein. Tu penses qu'il est l'état ce Aatrox? En vrai, j'ai toujours eu du mal avec les Aatrox létalité dans le cas santé, moi. Ah, je pense que c'est dur dans le match-up en 1v1. Ouais. Après, dans la game, c'est pas si mauvais que ça, mais j'avoue que dans son match-up en 1v1, ça peut peut-être être compliqué. Bah, tu survis pas à un combo à l'Istar, quoi. C'est un peu ça le problème hein, en tant qu'Aatrox létalité. Hein. C'est Véro qui souffre, hein. Bon, on en parlait un peu pendant le pré-show, mais tu vois, je pense que c'est un bon exemple. Il pique Azir, Ahri, et dans les deux games en lane, je trouve quand même qu'il se fait. Ouais. Il se fait pas mal bouger dans les trades, pressure. Ma est un petit peu devant, je trouve, sur les deux games. Ouais, ça touche ça aussi. Après, Azir a vraiment. Enfin, tu connais mieux que moi, mais Azir, il aime pas trop Talia quand même, comme adversaire. Ah oui, là pour cette game, il est défendable dans le sens où il se fait counterpick. Mais sur la game 1, tu vois, il y a eu un blind. Ouais. Blind Orianna, il prend Ahri et il était dans le mal malgré le kill offert level 3. Ouais, malgré les offrandes de Heretics Razork. Ah, c'est là toute la beauté de Ahri, c'est que même si tu souffres en lane, il suffit d'un petit kill à droite à gauche et... C'est reparti. T'es tranquille. Tu spike sur Malignan. Oh, je vois des pings sur une ward derrière le Drake. Des pings rouges, vous la voyez cette ward juste à gauche de votre écran. Elle sera encore épingle. Ça a été moult fois pingé.
Après le spawn du Drake, ça sera clairement up. Base pour Razor, qu'on va venir contester tout ça. Je sais pas si les Heretics ont très envie de jouer ce dragon, honnêtement. Pas énormément de vision investie bot side. Un petit peu quand même, en vrai. Et ils en ont un peu partout sur la map. Il y a aussi potentiellement si Void Grubs allait jouer. Il y a Humanoid qui est sur le top side, il va mettre un ulti. Est-ce qu'on arrive à follow up sur le Aatrox? Attention à Wunder qui pourrait se donner du temps avec le Maokai qui est en train d'arriver, qui va mettre son ulti. Wunder, qui pas mal, très, hein, très longtemps. Un dernier Q de Talia. Oh. Et c'est magnifiquement dodge par Wunder. Est-ce qu'on peut punir Humanoid maintenant? Et c'est dommage parce que Yankos, il a pas trop cru. Il a laissé son top laner alors qu'il s'en sort. Il a sur Humanoid, je pense. Elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal du tout. Elle est pas. Oh là 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 là. Ouais, ça va. Je pense qu'il le voit en vrai. Bon, il l'a vu mid au moins. Moi je me demande si. Enfin... Mais je pense que si Yankos trust, il y a un kill. Hein. Au moins sur Humanoid, c'est sûr. Alors peut-être qu'Humanoid aurait pas tenté de flash in. Oscar qui a tenté de push sa wave. Il a un ghost. En théorie, il est fine. Hein. Pas ghost. Ouais. Pas quand même forcer le ghost. Il va TP back derrière. Je crois quand même qu'il a les timings. Hein, parce qu'il a ghost au moment où le Q-spell revenait. Ouais. Du Aatrox. Sa poule ici, ouais, il va certainement TP top et pas du tout aller join au dragon, sinon Aatrox se met vraiment trop bien. Le Aatrox, il me semble qu'il a TP top, donc il vaut mieux match. Je pense qu'il peut se permettre. Il vole la TP. Ok, quitte à lâcher une ou deux plates, hein, parce qu'il y a 3 Void Grubs, donc ça va vite. C'est deux plates, hein, je pense. Après, je pense qu'il sacrifie deux plates pour s'assurer d'avoir le Drake. Parce que là, s'il déclenche un fight, les Heretics, et qu'il TP dans ce teamfight là, c'est un 4v5, quitte à perdre des plates au top. Ils veulent potentiellement s'assurer le stacking dragon. Après tout, il a son premier objet, Oscarline. Il est prêt à souffrir une hydre profane. Il va essayer de sortir. Il est passé derrière les chompers, mais Trimby va go in, il va flash in directement. Est-ce qu'on arrive à trouver un reset pour Maokai? Maokai qui va un peu loin avec le flash out. Il va pouvoir trouver un premier kill potentiellement pour Noah. Zuiru peut-être pour la finition. Est-ce qu'il y a une partie sur place? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien sur ce Azir. Ah, c'est 1 pour 0 hein, alors que le Azir était là, bah, tu viens de le dire, en prio, là. Mais Talia a pas du tout bougé. Comment il n'y a pas un Tokyo Drift qui part avec un flash partition? Ah, c'est ce que je me demande. Il a peut-être dash dans la river pour venir plus vite. Ah, puis même il a son flash en vrai. Je m'attendais à ce que ça bouge hein, quand même là-dessus. Flash Star. Bon, le Jarvan était out, donc dans tous les cas, je pense qu'il ne pouvait pas le récupérer, mais. Oula. On aurait peut-être pu investir un peu plus. Alors on va peut-être tenter une deuxième. Il y a la TP derrière, on a un reset qui est récupéré, donc la Jinx peut se repositionner, mais Trimby et Zuiru, ils sont un peu deep. Il y a un ulti Talia de Humanoid, ça va être sur Flaquette qui a son flash quand même potentiellement, mais qui pourra pas le claquer. Et Zuiru et Trimby, ils sont pas condamnés. Comment est-ce qu'on sort de ça? Partition impériale, elle bloque pas vraiment toute la. Si Humanoid se fait honteusement creep block par les soldats de Shurima. Oh, très bonne. Le laser a connecté, il est magnifique. Il peut tanker la tourelle. Hein. Trimby, c'est fini. Est-ce qu'on peut enchaîner en plus sur le Azir? Je pense qu'on va se contenter de ces deux kills. Plutôt très, très bien en réalité, hein, sur les bonnes cibles toujours. 3-0 pour Uma, 3-0 pour Noah. On est bien sur les deux carries. Mmh. On répond quand même correctement à l'opposé avec... Ouais, le héros de la faille. Hein. Je pensais que c'était le Void Grub, mais non, c'est le héros de la faille. Ouais. On va revoir tout ça. Du coup, Razor qui s'était un petit peu perdu encore une fois sur des camps de jungle. Bien joué à June, hein. Après, la, le coup de tête sur Jinx. Il joue vraiment bien. June fait bien le taf. Il empêche la Jinx de venir mettre ses dégâts. Razor peut se repositionner avec son combo. Et là, le Azir. Bah, tu vois, il a le flash et tout, mais il est timide. Mais je pense que c'est la très bonne décision de se castenter d'avoir gardé sa TP. Oh oh. C'est fini. On a une porte de sortie sinon, absolument aucune, hein, bien sûr. On a même balancé l'emprise de la nature sur cette action. La T1 top a l'air de sourire aux Fnatic. Et les Heretics quand même sautent sur cette défense. Ils veulent pas laisser la T1, ok. Ouais, bah Heretics tente pas mal de choses, mais ça se passe pas super bien. Le rapport de force est largement à l'avantage de Fnatic actuellement. Et tu vois, le fait qu'il ait gardé sa TP au top tout à l'heure, ça. Je pense que ça a un peu bloqué le Azir dans sa décision à vraiment se commit sur le move bot. Ouais. Et derrière, ils y sont retournés une deuxième fois. Ça, ouais, effectivement. Et au final, bah, y a quand même eu la TP. Et ça leur a coûté beaucoup. Tourelle au bot qui est en train d'être récupérée justement par Oscar. Première tourelle de la game pour le Cassanté qui est back. Hein. En vrai, il a un peu de retard au CS, mais avec la tour, niveau XP, il est plutôt pas mal aussi.
puis bon, qu'à se tenter, c'est difficile d'être inutile avec le perso, honnêtement. Ouais, il sera embêtant, en plus c'est bel et bien Atrox l'état pour le coup, donc même dans le jeu en side, il sera pas totalement useless. Après, contre Azir, il risque d'avoir un peu de mal malgré tout. Ben... ce sera anecdotique. Il pourra toujours réceptionner les waves, c'est ok. Oui, parce qu'en vrai, à un moment où il cale un Rookern, je suis pas sûr que Azir puisse vraiment... Ah, j'avoue, il est en route. Hein. Ouais. Parce que, bah, vu que tu l'as dit, les létalités, le Aatrox, je pense qu'il a un montant d'armure suffisant pour tenir. On pourra peut-être caler un anti-heal à un moment. Mais le Azir, quand il y a Rookern en face, il se commit un peu trop, il se fait... Ah, je fais FF, hein. Liandry ou pas Liandry, il se fait 1v1, on est d'accord. Et le stuff des deux AD carry, c'est terrifiant. Il y a deux items pour la Zeri, il y en a un seul pour la Jinx. Noah fait vraiment peur. Avec une téléportation dans le dos, avec un Aatrox qui prend un monstrueux focus. Wunder qui se repositionne, qui va tomber. Mais on va pas s'arrêter là. Ouais, on a tenté quelque chose dans la river, mais Noah il avait ses deux summoners, il a ghost out, mais il a encore son flash. Il est complètement free avec sa Zeri. On a tenté même une TP du Azir. Go mid, les gars. Y a rien qui passe pour les Heretics. Vous pouvez aller mid, les gars. C'est. Ils sont en train de perdre les wave au bot. On perd la T1 top. On deny le maximum de creep possible pour Uma. C'est peut-être un petit peu perdu, hein. On n'a pas du tout le tracking du Azir. Zouirou. On va faire le déplacement pour l'accompagner. Va se faire ramener humanoïde. Il a un flash potentiellement. Il y a Jun qui est dans le coin. Le proc du. Allez, Trimby qui rattrape avec le charme. Et c'est terminé pour humanoïde. Shutdown pour Zouirou. Shutdown pour Azir. Attention à ce qui peut se passer mid lane. Il avance. Il est hyper agressif. Noah, est-ce qu'il veut terminer le travail? Attention au zap. Ouais, on sera évité à son tour. Hein. L'écart entre les deux ADC, un item d'écart complet. Du coup, Noah qui hésite pas du tout sur les dashines. On sort un petit peu flaquette du move. Il a perdu son ulti quand même, avec sa Zeri. Problématique pour le Drake, ça. Pour un fight au Drake, ça peut être dur, ouais. Manoïde aura sa TP dans 15 secondes. Ce sera un court 4v5. Il y a le héros de la fight là, aussi sur la mid lane. Mais on veut le start pour les Fnatic. Va falloir temporiser quand même la Talia. Garde Smite, Yonkos qui se positionne. Pour le cambriolage, on est vraiment front to back, aucun flanqueur de signaler, une guerre de smite à l'ancienne, téléportation dans le dos, le smite est bon pour Razork. Attention à Jun qui est sur le point de tomber, mais le premier éliminé ici sera bel et bien Yanko, ce mur de la tisseuse. Et attention, Wunder, il est un swing de faire un quadra kill. Wunder, il cherche l'angle, il ne l'a pas encore trouvé, mais c'est le Azir de Zouirou qui empale les Fnatic les uns après les autres. Ouais, le Dashin, il a flash un peu dans le vent. Il voulait potentiellement récupérer cette Jinx, il s'est complètement perdu. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il... Ok, bon, je pense qu'il voulait faire le hero play, mais... Exakick. Je suis pas... Ah, c'est méchant pour Exa, mais... Je comprends la référence. Le hero play, bien sûr. Bah, en vrai, il a pas besoin de faire ça avec sa Zeri. Il n'y a pas besoin, en fait, c'est le bon terme. C'est la bonne expression. En plus, il a vraiment flash... je pense qu'il voulait récupérer la Jinx. Il a flash le vent. Alors on va revoir le fight. La Talia met du temps à arriver. Donc ils ont récupéré le Drake. Ils peuvent sortir. S'ils veulent les Fnatic, ils peuvent sortir. Et là, du coup, il y a l'enchaînement des CP. Jun qui joue très très bien, qui va se repositionner. Wunder, il y a un kill rapidement. Là, il y a une très bonne poussée sismique de la Talia qui sort flaquette du fight. Mais derrière, c'est ce Aatrox. Hein. Ce Aatrox avec les dégâts de Azir. Je crois qu'il a son Liandry sur le fight. Là, Noah, il... Oh. Ah, je sais. Il réflexe flash les champers. Et je peux comprendre ce qu'il a vu comme move, sincèrement. Parce qu'on se rend pas compte, mais avec Runan statique, il non, a vraiment c'est... une première rafale qui décoiffe. C'est Flakel qui joue bien, parce qu'il il est réactif sur les champers. Et du coup, Noah est obligé de les réflexe flash. Et du coup, il fait pas le flash le plus opti. Je pense qu'il avait fait un petit peu plus par la gauche. Il pouvait récupérer la Jinx. Et jouer avec sa range et peut-être juste sortir s'il le souhaitait. Mais malheureusement, il y avait un hero play, ouais, je pense, hein, clairement. Bah, il y avait un angle. Il y avait un angle. Après, est-ce qu'il est obligé de le tenter? Je suis pas sûr. Ils étaient bien en contrôle dans la game. Là, ils ont perdu flash de la Zeri, flash de humanoïde sur le move topside juste avant. Ils ont quand même eu le dragon. Donc, ils sont à soul point, les Fnatic. Ils sont très bien. Hein. C'est kill sur la Zeri. Il y en a 3 sur la Talia. Ils sont vraiment bien. Zeri en mode 8000 de move speed en plus dans la game. Il n'y a rien sur ce Azir, hein. Y a rien du tout. Et du coup, c'est Zouirou, hein, qui a profité de ce fight. C'est lui qui a récupéré tous les kills, c'est pas le Aatrox. Il est en 4-1-2, 3 items ennemis sur son Azir. Ouais. Et il continue d'enchaîner les très bonnes performances, hein, Zouirou.
pour un remplacement de dernière minute. On est bien d'accord, ça c'est clair. C'est très solide son split. Dans les larges chaussures de Perks. Mais il est quand même quelquefois un peu timide. Je te rejoins. Sur sa manière de jouer les teamfights. Enfin, Azir peut faire tellement de choses, on a vu tellement de joueurs légendaires opérer sur Azir, qu'on est devenu, je pense, un peu exigeant sur l'Empereur, tu vois. Bah, tout le respect à Zero, hein, il fait un bon BO pour l'instant. J'ai vu le BOLCK ce matin. Oui. Bon, entre celui de Chovy et celui de Zero, respectueusement, il y a un grand canyon. Un grand canyon de respect. Et c'est un peu technique parce que le jungle, que, ouais, c'est canyon, il s'appelle canyon aussi. Tout le monde ne l'avait pas, mais maintenant que tu l'as expliqué, je pense que c'est plus agréable pour... Non mais il fait des bons playoffs, hein. Bah, puis même une bonne saison régulière, les Heretics qui montrent un beau visage. Je parlerai même pas Roba du Azir de Faker qui se fait des doses. Oui non, je préfère même pas en parler, ça me fait mal au cœur. Allez les fans Fnatic, les FF tels qu'on les appelle, ils sont là. Ouais, et en fait la game se temporise un petit peu potentiellement jusqu'à ce prochain dragon qui sera une soul pour les Fnatic, soul des vents, très très bon pour une Zeri. Trois items noirs, il va potentiellement récupérer le flash pour le Drake à peu de choses près. En vrai, il peut faire des folies. Hein. Voilà, c'est le personnage principal. Ah mais il faut pas avoir trop ce syndrome dans les teamfights, parce que s'il nous refait un flash-in en 1v4... Bah, franchement, avec Ghost Flash de up, vas-y mon bébou. Ah, pour l'instant, le flash, il l'a pas encore. Ouais, c'est vrai. Il faut attendre, ils ont pas le push au mid non plus, les Fnatic. Ils forcent la position, mais... Sur la wave au mid... Pour l'instant, c'est le Cassanté qui s'en charge. June qui s'est peut-être un petit peu perdu. Il va prendre beaucoup de dégâts sur le Aatrox. C'est problématique. Oh, il a tenté une livraison spéciale. Elle n'est pas vraiment passée. On se commit dans un cataclysme. Le flash de Razork est tout simplement catastrophique. Mais le Cassanté est mid en train de fixer la wave. Ah, le flash de Razork. Mais déjà, la game précédente, ils l'ont fait un petit peu, mais... J'arrive pas à comprendre, le Cassanté est tellement loin. Alors il peut TP, mais il vient de la mid lane. Donc oui, il ghost et bah, y a deux morts quand il arrive seulement dans la river au ghost. Bah ouais. Après, on a essayé d'improviser. Attention quand même, parce que ça continue avec un kidnapping de Cassanté. Et on peut voir. Bah, bien joué. Il l'a décapité, hein. Bien joué à Oscar Eline. Tout à fait normal. Bah, le play est avorté. Ils ont quand même récupéré le dragon, donc on a deny la soul, mais c'est quand même inquiétant ce genre de fight pour les Fnatic, je trouve. Ils sont bien dans la partie, ils ont 3 items sur ZR. Alors il y a un start Baron Nashor, il y a une TP sur le Aatrox en face, donc ils ont une fenêtre de 25 secondes en 4v5. On veut peut-être forcer le turn. Il y a Razor qui va dash dans le pit. C'est autoritaire ce call des Fnatic. Il va falloir turn, hein, potentiellement, parce que le Aatrox il va arriver vite, alors ça DPS bien le Baron Nashor. On est bientôt en zone de smite. Oscar qui est en position de zoning. On décide de hold le baron, on décide de se retourner dessus. Attention, smiting steal, attention, on a 2500 points de vie. Attention au smite qui sera récupéré par Razor qui a les nerfs solides. Attention à la téléportation d'Aatrox. Est-ce qu'on va pouvoir garder des barons nageurs? Oui, on a deux joueurs qui sont en train de fuir, peut-être même trois avec humanoïde en dessous. Bon, c'est pas terminé, non, il l'a décapité. Ouais, bah pour l'instant, il y a deux joueurs. Il y a Yankos derrière qui va trouver un W sur Manoid qui a plus de flash. Il va se faire ramener, ça sera un kill de plus pour Flakhead potentiellement. Il flash in Flakhead. Noah qui dash in. Noah, le hero play. Il le trouvera peut-être une fois de plus. Il va les exterminer les uns après les autres. Où est Zwiru? Il est en 1v5. Hein. Il est en 1v5. Zwiru était pas là. Mais il était top! Alors cette fois-ci, le hero play. Il vient de Quadra! Le hero play, il est parfaitement passé pour Noah qui tremble pas et qui garde les Fnatic dans cette partie parce que cette tentative de Baron Nashor était. Oh. On ne peut plus risquer, on a de la chance. Yankos a pris pas mal de dégâts, il a paniqué, il a flash out et du coup, il était pas en range de smite donc Razork l'a récupéré. Mais. C'est dur! On va revoir parce que du coup on n'a pas vu le fight sur le bas de la map. Humanoïde qui met très bien ses spells sur l'arrivée de la TP de Wunder. Il va se repositionner au flash. Et Razor qui se fait qui se fait sécher. Tout simplement. Et là le problème c'est qu'il y a un mec qui suit pas le call. Hein.
Ouais, Sbuiro, bah après, il crache la wave tap. Ils sont pas obligés, hein. En vrai, ils pouvaient jouer T2 top, il y a deux calls différents probablement, mais... Clairement. C'est vrai qu'il a pas forcément tort, Sbuiro, son call est également bon. Le truc, c'est qu'il faut avoir le même. C'est parce ça. Que là, si le Azir est là, il n'y a pas de quadra kill de Jinx, enfin de Zeri, donc bravo à Noah d'avoir reconnu qu'il y avait un angle, hein. Il gère très très bien, il avait son flash, il avait ses summoners, on en avait parlé. Et il garde les Fnatic dans cette partie, ils ont encore un Baron Nashor sur lui du coup. Il le met pas sur la wave, il est en train de chill dans la river pour l'instant. Pour le blue buff. Ils peuvent jouer top, hein. Ils peuvent jouer top, c'est une très bonne rotate sur la wave du Manoïd. On se fait un petit peu out macro du côté de Heretics, on va perdre une T2 sur ça. On veut absolument garder la T1 mid, mais ce sera une T2 top qui tombera en échange. Contre T1 bot, qui est bien sûr pas un trade rentable. Et la transimide risque d'être violente. Prochaine wave, si elle est buffée. Non, elle sera défendue en vrai. Azir est ce guy. Ah, il a plus beaucoup de mana, Sbuiro, en réalité. Il vient de claquer un Q-spell. Ça va être buffé par Noah. Je pense que ça sera défendu quand même. Ouais. Il y a pas de flash sur la Zeri, donc c'est dur. Oh, on tente le move avec Humanoid, on met un très bon ulti, on va pouvoir zoner le Maokai et le Rakan, on tentera pas de pousser Sismic. Et attention, Noah, pas de flash. Oh, Noah très très bien sur le combo de Trimby. On va peut-être laisser passer le Alistar. Ah, il est monstrueux. Qui arrive à flash out. Ah, il est vraiment monstrueux, Noah. Ah, il est en place, hein. Il est en place, tentative de Death Rocket, mais ce sera bien intercepté par Razor. Noah qui avait même tenté le coup d'Ashin pour le tanker aussi. Oh, mais il y a vraiment des dodge après dodge, hein, dans cette partie. 4 items pour la Zeri, on en a pas parlé aussi, mais Noah qui est en place, hein, le dodge sur le go-in de Rakan, c'est très clean. De toute façon, ils ont misé tout sur Noah, hein, sur cette draft, honnêtement, la Talia, elle fait pas tant de dégâts que ça. Et plus la Zeri, hein, si la Zeri meurt dans un fight pour Fnatic, c'est dur, hein. C'est dur, parce qu'en face, il y a beaucoup de carry, hein. Le Aatrox peut faire office de carry, le Azir aussi, la Jinx c'est pas si c'est mal que ça dans la game. Probablement une fin de tournage, hein, je suis d'accord. D'ailleurs, si on peut se permettre pour les Fnatic, deux vœux du chevalier c'est assez. Voilà, si oui. Jamais Razor tu nous entends. Ouais, après, je pense sur à Jarvan, moins qu'il y ait une technologie qu'on connaisse pas, mais. Oh, c'est un Sterak là en 3 j'imagine pour son Aatrox. Oh, non, pour Razor, en fait il va rester à 2 items, je pense. possiblement. Oui. Et du coup, Soul. Une fois de plus pour les Fnatic qui ont la position. Oh, on a un petit 4 sur Jankos qui a un flash mais qui va se faire juste intercepter. Ce sera une soul derrière, oui. Gratuite. Petite interception, c'est bien senti de la part de Humanoid qui continue de nous faire bonne impression sur sa Talia. Clairement, il a une bonne lecture des positionnements dans le brouillard de guerre, hein, tout simplement. On anticipe beaucoup. Âme des nuages, les Fnatic qui voient, hein, cette deuxième game tomber entre leurs mains. Une défense de T2 très ambitieuse, considérant qu'il y a une Talia, un Alistar, ils vont se faire dive comme des mains. Pareil, on est en 4v5. On est en 4v5, il n'y a pas besoin de défendre cette T2 et on se fait récupérer. On se sentait peut-être un peu safe avec le voile de la nuit pour Wunder, mais on n'a plus de flash, on se fait enchaîner. C'est un voile de la nuit contre Alistar. Du coup, on va mettre l'ulti Talia, on va pouvoir récupérer une T3, commencer à ouvrir cette base. Sbuiro qui essaye de bête un petit peu les CD. Est-ce qu'on tente l'inhibiteur? C'est toujours un 4v5, hein. Avec la mort de ce Aatrox, c'est 34 secondes sur la TP. On tente un ultime Maokai pour zoner, mais c'est un peu lent. Et 30 secondes pour Wunder. On va laisser les Fnatic s'enfuir avec une T2, une T3 et un inhibiteur. En plus de la soul qui a été récupérée sur le catch du Maokai, c'est tout droit pour Fnatic. Mais attention quand même. C'est des erreurs grossières de... Enfin non. Le catch de Jankos, c'est plutôt une bonne pêche. Et le fait de mourir sous la T2. Ouais, sur la T2, j'avoue que c'est... Après, des erreurs grossière, il y en a des deux côtés, hein. Dans cette game, il y en a un petit peu du côté de chez Fnatic. Dans la game 1, il y en a eu aussi. En vrai, il y en a des deux côtés, mais pour l'instant, c'est Fnatic dans cette game 2 qui, j'allais dire, en fait le moins, pas forcément, mais qui exploite le mieux les erreurs en face, on va dire. Là, donc, danse du Baron Nashor avec une wave bot, hein, bien sûr, qui va commencer à mettre de la pression d'ici de 30 secondes. Et la Zeri qui a son flash. Il y a une QSS dans l'inventaire. 3 items Jinx, est-ce qu'elle peut rattraper? On verra. En tout cas, on peut aussi s'intéresser à Sbuiro, hein, qui 4 items. Peut faire pas mal de choses également. Ouais, faut aller chercher cette Zeri. Faut aller chercher cette Zeri, mais c'est dur. Ouais. Ghost, Flash, QSS. Le truc, c'est que pour Jankos, c'est vraiment un aller simple et en même temps, on a besoin de lui pour smite. Hein, donc, il va falloir peser le pour et le contre. Ça peut aller fast, hein, au niveau du DPS. Il y a un flash pour Jankos. Jankos qui va certainement. Tenter le positionnement, tenter le smite, il y va un petit peu tôt, ça a totalement stop DPS, on s'est fait rouler. Ah, très bien joué de la part
des Fnatic, ce setup Baron Nashor. Alors il reste les carries en face, Plaquette qui a eu un reset, mais ça paraît très compliqué. Les Fnatic qui vont clean up le fight, il reste Aatrox, mais il a plus d'ulti. Et ce sera un quadruple supplémentaire de plus pour Noah. On va TP pour aller terminer. C'est très bien joué, très bien orchestré ce Baron Nashor, beaucoup mieux que le premier. On a bien zoné le Maokai, très rigoureux sur l'arrêt du DPS. T'as vu, hein, pour que le Maokai se retrouve à smite juste avant de mourir, et au final ça le leash juste pour les Fnatic, et derrière le fight est bien géré. Jun qui a pris beaucoup de focus dans la fin du fight, qui a laissé beaucoup d'espace à Sazeri. Grosse game de Noah honnêtement, malgré la petite tentative d'hero play sur le Drake qui est pas nécessaire et où il se loupe un petit peu, il est quasiment irréprochable cette game. 14-1 hein, tout simplement. Le carry, le personnage principal de ce match. Clairement. Il a fait beaucoup de bien aux Fnatic. Humanoïde a absorbé énormément de pression. En tout cas, le duo bot lane des Fnatic, pas du tout le même visage qu'en game 1. Surtout à Jun, hein, un Lee Star plutôt carré, même s'il y a eu des misplays. Razor cassé. Sur les deux games, il est un peu. Les deux jungles, hein, parce qu'en réalité, Yankos se fait catch un petit peu aussi. Ils ont les mauvais rôles, bien sûr, on en a parfaitement conscience, mais quand même, il y a des moments qui sont un peu trop bizarroïdes. Mais... Après, c'est l'ego des jungles. On se fait voler un camp, on veut aller en voler un en échange. C'est difficile de laisser passer. On recolle pour les Fnatic et on verra au niveau du side ce que ça donne. Ouais, exactement. Écoutez, nos analystes sont prêts. Ils nous disent de nous dépêcher. Donc, on va aller les rejoindre sur le plateau de débrief. À tout de suite. Et oui, nous avons donc une égalisation dans cette première série de la soirée entre Fnatic et Heretics. Fnatic qui sécurise son premier Nexus en 4 games, si on suit bien sûr la série terrible qu'ils ont subie contre G2 eSports. Nos analystes sont là pour débriefer de ce match. Messieurs, certes, ce n'est pas la LPL, mais on est pas mal quand même. Ouais, il y a pas mal d'erreurs d'un côté comme de l'autre. Déjà, les drafts par contre sont intéressantes. Je pense qu'elles sont relativement équilibrées en vérité. On voit que le Jarvan a l'air de prendre de plus en plus d'importance dans le BO. Ici, encore une fois, il y a une Jinx qui ne peut pas être protégée par un Thresh, parce qu'il y a eu un bon ban du côté de Fnatic. Je pense que le ban Reata est bon aussi, parce que si on avait voulu commit avec Jarvan et Star et tout dans une Reata, on aurait eu un petit peu de mal. T'aurais pas pris un Tahm Kench, toi? Le truc de... Je comprends qu'ils aient besoin d'un peu plus de CC. Et je trouve qu'avec TK, après, jouer que sur la range, et jouer que sur la range, c'est possible. Je trouve ça très très dur à faire. Rakan te facilite un petit peu tes teamfights dans l'idée, tu vois. Et aussi, s'il y avait eu le Tahm Kench, on aurait eu besoin d'un Azir un peu plus entreprenant pour réussir à avoir des engages, parce que Giroud nous fait une bonne game 1, a également quand même pas mal de ressources au cours de cette game 2. Je dis ça, il se fait allumer, première image. Ouais, mais il a gardé son flash à ce moment-là, il aurait peut-être dû l'utiliser également à d'autres moments pour aller gêner encore un peu plus Noah, qui au final fait une game très très bonne de Zeri, mais le Azir a eu de temps en temps des petits moments où il aurait pu chercher un peu plus. Ça va être notamment sur ce move là vous allez le voir arriver, et il va pipo chiller un peu pour il avait pas son dash, moi c'est ma seule théorie franchement. Ok, L'angle il est là, on le voit tous l'angle. Ouais, je pense qu'il est en mode Talia Fog et qu'elle sentait ATP aussi peut-être un petit peu, mais oui clairement c'est bizarre qu'il ait pas joué beaucoup plus agressif ici. Après, hormis ce play là, je trouve qu'il fait quand même une très très bonne game. Franchement, Zweru il s'est pas fait catch, il a été correct. C'est pas forcément là que ça a le plus péché. Yanko aussi s'est fait un petit peu catch, s'est fait un petit peu attraper. Humanoïde sur la Talia a été bon en termes de frontline, ils ont eu du mal à vraiment faire le boulot. Là on va revoir le play de Noah qui paraissait un petit peu particulier, mais c'est juste qu'il y a les chompers de Jinx qui le dérangent. Et après pour le coup Noah, lui n'a pas eu peur de jump in. Il y a eu un quadra kill. Je ne m'attendais pas forcément mais le premier, il était vraiment étonnant. Le premier, je t'avoue, moi je pensais qu'il avait re-jump in à sa mort et ça allait être FF la game. Ah ouais, il regarde mieux la minimap que toi lorsque tu es un observateur, parce qu'il avait vu que Azir était top. Bah ouais, non mais c'est le good. Et puis surtout il a compris que le Maokai il allait juste le one shot et que ça allait être très très tranquille. Ici, mais ouais. Ouais, c'est sûr. Mais le play quand même, quand il se fait drive par Maokai, je me dis c'est terminé quoi. Mmh. Ouais, surtout qu'il venait juste de prendre le Nashor. Du coup dans la logique on se dit il va quand même essayer d'en garder un, et ça tente le hero play qui passe largement. Déjà là il continue full DPS et c'est le jump in là. J'étais en mode il est au corps à corps d'un Mao. Le Aatrox. Il se fait arracher. Petit flop du Aatrox. Alors Yankos pouvait pas se mettre devant parce que Zeri était sous eux, j'imagine. Ouais.
Mais ouais, ça passe mal. Et puis bon, voilà la discipline dont Robalas parlait au niveau du stop DPS Nashor. Oui. Alors c'était close quand même. Et globalement, dans tous les objectifs majeurs, il y a eu un petit peu cette guerre de smite. Mais même en considérant ça, c'est 3-0 en faveur de Razork. Ouais, Razork qui a bien smite. Après, il alterne le chaud et le froid quand même dans le match. Il fait aussi des grosses erreurs, Razork. Il y a des moments où il rate ses teamfights. C'est lui aussi qui va un petit peu trop sur une vête, qui se fait punir. Et tu sens aussi que quand. C'est un peu comme contre G2, quand Razork est pas en giga forme, même si là c'est une victoire, c'est jamais très clean pour Fnatic. Au moins dans un sens, comme c'est dans l'ambiance du BO, c'est bien qu'il y ait quand même un peu de chaud au milieu de tout ça, parce que dans les trois dernières games, il y avait vraiment presque que du froid. Mmh. Donc là, peut-être que ça va lui redonner peut-être un peu de confiance et que ça relance une dynamique. Peut-être que Noah va également avoir des belles paroles pour lancer tout ça. Tu vois. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver l'équipe qui arrivera pour fondre G2. Et là, on en est loin quand même. Elle n'est pas là. Hein. Elle n'est pas là. Ah bah ils sont. Elle s'appelle Genji. Bah ouais, oui, c'est les équipes LCK, LPL qui vont nous pourfendre. Je pense que là il y a personne qui pourfend G2. On verra BDS peut-être ou on verra peut-être dans le prochain BO. Heretics Redside. Bon, on va voir comment ce sera utilisé. Moi j'ai rien à ajouter là-dessus. Le BO, je n'arrive pas. T'arrives pas à le lire. Bah non. Écoute, il y a pas assez de légendes du club, mais bon, voilà, c'est le LEC, c'est une ligue mineure, mais c'est quand même une ligue qu'on aime et qu'on retrouve dans quelques instants sur OTP. Un partout entre Fnatic et Heretics, on se dirige donc vers une game 3, game décisive tout de même pour ce Spring Split. Après la chute de ce Nexus, on aura une équipe qui sera tout simplement éliminée. Tout à fait, un BO assez serré. On pourrait dire légèrement à l'avantage des Heretics si on prend en compte la game 1. Le fait qu'ils n'étaient pas si loin que ça de remporter celle d'avant. Mm-hmm. C'était très serré, il y a tout de même eu une belle performance du Manoïd et également de l'Azeri de Noah qui a été très bon. Et là, les enjeux sont extrêmement élevés, mesdames et messieurs. Tout simplement, la course au MSI qui sera terminée pour l'équipe qui perd. Et aussi, on le rappelle, pour la toute fin de l'année, avec les points pour les Worlds, on a ici deux équipes qui prétendent très largement. Donc, perdre ici, ça ferait perdre des points aussi dans ce sens-là. Donc, c'est un match vraiment très important. Match pour accéder au top 4 de ce split de LEC. Fnatic avait déjà gagné un peu plus de points au cours du winter, mais là Heretics en aurait bien besoin pour être un peu plus serein pour l'arrivée au summer. Déjà pour être plus serein dans ce match, on a retiré la Zeri de Noah, mais du coup on laisse la Rel qui est open et on se jette dessus pour le champion très flexible et en plus c'est l'un des meilleurs champions. Si tu commences à avoir des teamfights un peu douteux ou quoi, Rel elle vient fixer tout ça. Ah, moi je suis très surpris des. Après, ils ont leur raison. Hein. Il y a un gros staff, il y a des gros joueurs. Je suis très surpris des équipes en red side qui bannissent Vi pour laisser le first pick Rel en face. Et je suis très curieux de voir quelle va être la réponse des Heretics. Ils ont littéralement décidé de faire ça sur une game éliminatoire et très importante. Okay. La réponse sera Varus et Azir. Mais je commence à avoir un peu ma petite idée. C'est vrai qu'avec Jarvan qui commence à avoir beaucoup de priorités et qui s'avère être très fort dans les parties, c'est peut-être aussi dans ce sens-là que... on accepte de laisser la Rel comme ça en first pick, récupérer le Azir. Ouais, mais surtout, Zuero, c'est vraiment son champion de confort. Encore avant, hein, il l'a tout de même joué, fait un bon score avec. Mais il va devoir affronter le dragon de la mid lane, le Aurelion Sol qu'on voit de plus en plus et qui semble avoir un match-up très positif dans Azir. Ouais. Trade de début lane se passe très très bien et en termes de scaling, bon, dragon égale scaling. C'est comme ça que ça marche dans League of Legends. Mm-hmm. Rel Aurelion, c'est des champions qui peuvent se faire abuse dans l'early game. Ça fait penser un peu à la partie que Cassé avait perdue hier. Bon, parce que c'était un BO de haut niveau en vrai contre BDS en finale de LFL. Où ils avaient tous les champions les plus forts de la méta, entre guillemets. Ils avaient du Rel, du Aurelion, Zeri, tout ça. Mm-hmm. Mais en face, ça avait draft une compo early game à base de Voli. Et ils avaient pu prendre l'avantage. Notamment grâce à une Karma qui avait la priorité contre l'Aurelion, la botlane qui avait un bon match-up. Et du coup, Rel et Aurelion n'avaient jamais vraiment pu sortir la tête de l'eau dans la partie. On verra si c'est ici le plan des Heretics. En tout cas, ce pick Sejuani annonce tout de même une volonté de vouloir être actif en early game. Varus et Sejuani, ouais. Sur les premiers niveaux, c'est extrêmement fort dans la méta actuelle. Là, on devrait vraiment avoir des Heretics qui vont pousser en early game, qui doivent prendre un avantage et le maintenir dans la partie. Ça ne va pas être si simple que ça, je pense. Même ça dépend quel va être le focus lors des deux derniers picks. On a tout de même un counter pick support qui est encore faisable pour Trimby.
On a encore beaucoup de picks à la top lane qui pourraient bien fonctionner. Je vois tout de même Sejuani, je pense à Renekton. Immédiatement, si tu as envie d'aller chercher de l'early game, on va plutôt continuer de se focaliser sur la bot lane pour les bans Fnatic. Donc si on a vraiment envie d'être sûr de gagner la bot lane pour Flakhead et Trimby, ici, il faut demander à Wunder de prendre une petite balle. Il faut un complément d'engage hein, pour les Heretics. Très bon ban Rakan, je pense, des Fnatic. Trimby a été très très bon dessus hein, par le passé. Oui. Bon, ce serait un cas santé. Santé blind, la classique. Pas de TF disponible en face. C'est vrai que cette elle peut toujours aller support. On peut toujours mettre quelque chose d'autre en jungle, mais... Je pense qu'elle va plutôt être jungle. Hein. Ouais, on nous montre pour l'instant le Xin, hein, tout de même. Ouais, je sais pas s'il va être lock. Il est lock, ok. Ok, Xin. Très bien. Et Zac pour terminer. Et le retour de Zac au top, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, mais contre un blind cas santé, ça fait le taf. La Poppy support ? À Poppy contre Elzac Xin. Ouais, elle a de la valeur tout de suite. Après, Thresh peut également avoir au moins un outil de cancel de tout ça. Et on sait que Trimby a déjà joué une splendide game de Thresh au cours de ce split. Oh. Bon, initialement, je m'attendais tout de même avec un Alistar pour affronter une Rell. Le problème, c'est que le Thresh est osé ici quand... Bah, déjà, contre elle, dans le 2v2, je pense qu'elle peut vite outscale dans les escarmouches, tout ça. Mais c'est surtout que... Il y a énormément de pression et d'enjeux pour cette game. Ouais. Et le Pyke aurait là-dessus, c'est pas si simple que ça. Le Pyke aurait même pas gagné la bot lane de manière gratuite. Et après, bon, tu balades avec Pyke contre Xin, Aurelion, Solzac en late game. Tu fais bonne chance. Genre, tu commences à charger ton Q spell, c'est terminé. T'es déjà mort. Alistar va permettre d'avoir tout de même. Encore une fois, une genre de composition avec grosse front lane, pas mal de DPS derrière. Je me demande ce que Flakhead va du coup choisir de faire. Est-ce que tu pars sur la létalité? Parce que de toute façon, au bout d'un moment, tu vas te faire outrange par Aurelion Sol et Jinx. Ou alors tu pars sur auto-attaque, mais tu vas devoir réussir à faire le travail à la fois pour réussir à rester safe. Je pense que létalité, c'est mieux. Ils ont vraiment besoin de capitaliser leur lit avec Sejuani, notamment le Azir qui va peut-être avoir la Prayo. Et faut pas laisser l'Aurelion et la Rell scale facilement. Et comme tu as dit dans les fights, je pense pas qu'il pourra s'avancer et DPS ah ouais. Il va vraiment vouloir garder ses distances. Poke. Donc en face, il n'y a pas de healer, donc cette option de poke sera bonne pour le Varus. Je pense que toutes ces raisons font qu'il doit partir. Hail of Blade, létalité, ce vilain Varus. Ça donnera du coup une grosse importance au Azir de Zuiru pour réussir à avoir le DPS pour tomber au bout d'un moment. Ce Zac qui sera normalement extrêmement solide. Mais on va voir en tout cas comment on va se passer, comment on va au moins démarrer cette game 3, game éliminatoire entre Fnatic et Heretics. C'est parti. Et c'est un létal tempo Varus, très bien. Ghost du coup un Varus de teamfighting et de scaling. Ce qui me surprend un petit peu face à Aurelion Jinx, hein, tout simplement. Ouais, en termes de range, ça va être compliqué au bout d'un moment. Certes, c'est dur pour les mêlées, mais la compo en face, elle aussi va vouloir barricader, scale, et tu en parlais, le Varus risque de se faire outrange. Phase Rush aussi sur le Alistar, lui, il est là pour faire des petits plays. Le gros point positif supplémentaire sur l'Étal Tempo, c'est qu'en partant attack speed, le Baron Nashor, tu leur laisses une vingtaine de secondes de libre. Il est pris. Ouais, c'est genre, les objectifs neutres vont aller à une vitesse astronomique. Mais en teamfight, on va lui souhaiter bonne chance. Hail of Blade ici sur ce Azir. Premier trade entre les deux midlaners. Les enjeux sont là. Game éliminatoire, on le rappelle. Pour rejoindre le top 4 de ce split de LEC. Côté de BDS et G2 qui sont toujours... en haut de l'arbre, enfin BDS plutôt qui attend un peu plus loin dans cet arbre là, et G2 qui est tranquillement un bon coup d'accélérateur dans ces playoffs. Et on aura la deuxième équipe qui rejoint ce top 4 dans le match d'après entre Vitality et Mad Lions Koi. Ça commencera après celui-ci. Alors, mon niveau 1 c'est Alistar, vous connaissez la chanson. On n'est tout de même pas dans une situation où on a envie de push, il semblerait, pour Noah et June. On va garder la wave assez proche pour tenter peut-être un bon petit trade au passage niveau 2. Ils sont toujours en train de zoner. Ils sont pas trop malins. Grâce aux roquettes, grâce à la pression de Rell, ils s'en sortent bien pour l'instant. Et en mid lane, le Aurelion, qui chill dans Azir.
J'ai beaucoup vu ce match-up hein. Et je peux dire que Zvirou s'en sort tout même correctement pour l'instant. Dans le sens où j'ai vu pas mal de Azir devoir back au passage niveau 3. Après s'être juste fait souffler dessus par le Raylan Sol. Et là il y a seulement une potion utilisée de chaque côté. Je sais pas si Zvirou, grâce au Hail of Blade et peut-être après le premier back, pourra réussir à défendre un peu la prio tout ça, mais quand Aurelion est draft et qu'en plus il domine sur la mid lane, c'est très mauvais signe pour l'équipe adverse. Ouais. Mais bon, les deux premiers niveaux sont vraiment très bons pour Raylan Sol. Et après, bon, doit garder son calme et juste stack ses poussières. Bon, June qui va faire effet de ward vivante ici, en prenant l'information sur la position de Yankos, sur également l'information sur le nombre de camps qu'il a déjà fait. Et il va essayer d'impacter la mid lane, mais il a été vu sur son roam et il est bien suivi par Trimby. Le problème, c'est que voilà, cette accélération qu'on aurait voulu avoir early pour les Heretics est difficile à opérer avec un Alistar et contre les 2-3 premiers niveaux du Aurelion. Cela dit, les Heretics semblent plutôt se pencher vers le scaling. Ils ont ce Azir, ils ont ce Varus, l'Étal Tempo, ils vont jouer cette game de cette manière. J'aime bien là ce qui est tenté tout de même. On a le fameux back abatteur hein, qui est fait après le Crash Wave 3 pour Noah. Et là, logiquement, Flakhead et Trimby veulent absolument crash cette wave pour être également dans une situation de back correcte. Il y a le Xin, la composante early game de cette composition, qui a envie de se battre, qui a envie de contredire la volonté de Trimby. Et le premier sang est récupéré par Razorg de cette manière. Et oui, c'est un Alistar phase rush. Pas d'aftershock ici. Très très bon lane gank de Razorg. Juste avant son back, après avoir clear tous ses camps. Là, il a un excellent achat à la fontaine et peut repartir vers le respawn de son groupe ou du carapateur topside. Et là, en général, les Fnatic, quand Razorg arrive à faire un bon early game, c'est excellent pour l'équipe. Voilà, en plus qu'on a ce Aurélion qui maintient toujours la prio au mid et cette Sejuani qui est censée être utilisée en early game mais qui ne l'est pas ici. C'est assez problématique pour Heretics. Trimby n'a pas de flash. Malheureusement, il ne pourra pas venir en aide. Oh, il ne pourra pas venir en aide à son mid laner à temps. Et on a Razorg. Oh, est-ce qu'il a été vu? Attention, on a tout de même Yankos qui est pas trop loin. Mais Wunder va prendre tellement de dégâts si vite. Il y a deux blobs qui attendent Oscar et Lynn sur la sortie. C'est bah, Razorg qui doit deux kills. Ah, le Cassanté a pas de flash, donc ils étaient sûrs de ne pas rater leur spell. Ils ont très bien exécuté cela. Et Razorg, littéralement, 1v9. Skip ses camps pour arriver tout juste sur le timing là où il restait un creep sous tourelle, reprend un autre kill. Razorg n'a pas envie de drop ce BO. C'est certainement pas. Très propre. Hein. Et il a bien regardé la manière dont se passaient ses lanes. Belle compréhension du bot, belle compréhension du top. Petit carapateur en plus du premier Grubs et on a ces 4 camps à aller faire immédiatement après. Et la composition Fnatic en termes de scaling. De toute façon, on l'a déjà dit, hein, mais Heretics doivent réussir à trouver des points positifs dans cette early game pour avoir un espoir en fin de partie. Plus faire une belle game ici pour Razorg, que ça équilibrerait un petit peu voilà, les games qu'il a pu rater dernièrement. Faut pas trop lui en vouloir, il a tellement mouillé le maillot pour l'équipe ces derniers mois. Ces dernières années, limite. Hein. Même dernières années. Vraiment. Ouais. Hein. Il est vraiment monstrueux. Pourtant moi j'ai jamais été trop team Razorg, mais j'ai vu quand les événements récents obligés de l'être. Bon, pas les dernières games hein, mais je veux dire sur les derniers splits. Je crois qu'en plus hier la prod LEC a sorti une vidéo avec Razorg genre de rookie flippy à genre jungler talentueux de LEC. Un truc comme ça pour faire une petite rétrospective avec des interviews et des petits mots qu'ils avaient réussi à capter au cours du premier Media Day. J'ai pas encore regardé, mais ce sera forcément intéressant de revenir sur l'épopée de Razorg, qui pour l'instant ne s'arrête pas ce soir. Et il est là accompagné de ses deux solo laners en chasse, en track. Et regardez la mini-map. Ils sont dans le noir, hein, les Heretics. Pique Sejuani qui ne fonctionne pas. On le rappelle, Sejuani est très très forte niveau 4, 5, 6. C'est un pic avec lequel tu veux au moins faire une petite différence, au moins ne pas te retrouver derrière par rapport à ton vis-à-vis. Mais Razorg a été plus astucieux.
Regardez encore une fois ici Yankos qui s'attendait à avoir un red buff, mais il n'est déjà plus là. Razor. Oh, le triangle. Razor qui a un coup d'avance sur cette game très importante. Et du coup, on peut démarrer également un trade sur la botlane. On sait où est le jungler. Oh, par contre, Flakhead, l'ulti est placé. C'est sur June, malheureusement. Et Noah répond très très bien. Ah ouais, mais l'étal tempo, phase rush. Comment tu vas chercher le trade contre ça, contre une vilaine Rel Aftershock? Bah, tu ne peux pas. Et du coup, en botlane, ça ne démarre pas. Voilà, c'est joigné à back. Jungle, ça ne démarre pas non plus. Non, on peut pas dive. C'est rude pour les Heretics. Hein. Ouais. Je trouve qu'ils sont un petit peu passés à côté de leur draft. Surtout qu'ils ont eu le choix du side. Étant donné qu'ils ont perdu la partie précédente du BO. Ils vont encore voir quelques petites occasions, mais il va falloir réussir à connecter. Hein. Bah, c'est principalement le Alistar Sejuani qu'il faut réussir à connecter ensemble. On voit également qu'à la mid lane, on sort très bien en termes de farm. On est pour l'instant bien pour Humanoid. Maintenant, on a une prio pour Zuiru. On a un niveau 6 sur Yankos. Voilà, c'est le genre d'occasion qu'il faut réussir à saisir. On a un red buff à aller attaquer. Et il faudrait que Trimby se rende également disponible. Je sais pas s'il a vraiment des moyens de sortir de ce match-up. Leur qui tente ici, mais Skarnin qui va ramasser ses blobs, il va tout de même tenter de gagner le trade, mais ça sustain fort. Aussi pas mal de creep en backup pour Skarnin. Yankos qui essaye de prendre sa revanche sur le red buff adverse, c'est récupéré. La ping qui va également être supprimée. Tu parlais de Trimby, bah là il va falloir qu'il commence à rentrer dans la piste et dans la game. C'est un Alistar phase rush, donc il a vraiment besoin du niveau 6. Où là il aura l'équilibre et enfin de tankiness et de mobilité. Il faut ce niveau 6 sur Alistar. Ouais, on voit quand même Yankos il cherche. Hein. Créer du jeu avec Varus Azir, je sais pas s'ils vont réussir tout de suite sans item. Ouais. Allez hop. Ça c'est un petit cancel. Il n'y a pas de TP sur Zuiro, donc il est obligé de rester à la wave d'après. Mm-hmm. Là où Humano il va pouvoir avoir son back TP. Avec un rush Nuandri, tiens. On n'est pas sur le rush Riley habituel. Ouais. Un peu plus de dégâts, mais bon. Le Riley a fait des dégâts rien que par la manière dont l'utilise au Raiden Soul, genre à peu près comme ça là. Ouais. Après, j'aime quand même assez bien dans le sens où je trouve qu'il a tellement, surtout quand il va envoyer ses premiers ultis. Ouais. Appliquer le Liandry sur tout le monde et tout. Enfin, en vrai, le Liandry, je trouve que c'est un item très fort dans la méta. De toute façon, le power spike des items de Raylan Sol, c'est à partir de ce moment-là où tu le regardes, t'es fait. Mmh. Bon, le champion est un peu broken, quoi. Ouais. Là, il est tranquille. Une wave supplémentaire encore pure humanoïde. Pendant que Zuiru a fait son back TP. Zuiru qui termine ses bots dès maintenant. Un starter agressif. Ben, il joue avec une Hail of Blade. Plus les bots du sorcier. Il est là pour frapper fort en early et son équipe en a besoin de ce coup de punch. On est que le Varus, lui, va mettre du temps à naître et que ce Alistar devient seulement de passer niveau 6. Et là, voilà, c'est le timing où les Heretics vont pouvoir faire quelque chose. Le point positif pour eux dans la partie, c'est qu'ils ont récupéré ce dragon et honnêtement, ils peuvent s'appuyer là-dessus dans la partie en tant que win condition parce que faut bien se raccrocher à quelque chose. Ouais, forcer les Fnatic à leur courir dessus pour un éventuel dragon, mais bon... normalement pas l'idée du deuxième dragon. En tout cas, j'espère pas voir Fnatic s'empaler dessus à ce moment-là. Mais Razork, regardez une nouvelle fois au niveau de la botlane. Dragon d'ici une vingtaine de secondes. Par contre, s'ils prennent des summoners sur Flakhead, ça commence à devenir intéressant. Mais des carrières Heretics gardent ses distances pour l'instant. On voit les Heretics hein, qui veulent vraiment revendiquer cette river. Afin de récupérer le deuxième dragon, petit poke qui touche de la part de Flakhead, c'est toujours ça de prix. Oh, on engage pour Yankos? Ouais, on va engager, les dégâts de la part de Zuiru sont bons, mais June a déjà flash out, Noah également, on n'obtient pas de kill pour l'instant, Razorg va même forcer le flash de Trimby, on se fait accrocher, l'ulti du Alistar est déjà consommé, flash in du Manoé, le stun va tout même être trouvé immédiatement sur Flakhead, sur Trimby, Trimby qui va tomber, killing spree pour Razorg. Aïe aïe aïe. Ah, il y a eu une grosse erreur ici, c'est que. Après, c'est pas un truc facile à call rapidement et tout, mais. En fait, ce que font les Heretics, c'est bien de all-in Rel, mais il faut pas passer au-dessus du mur, faut juste la laisser à 20% HP. La Rel aurait été out. Et, mais là, le problème, c'est qu'ils ont commit dedans, elle a pu proc son Aftershock et ça a laissé le temps aux Fnatic de bien se remobiliser. Peut-être que. Regardez, si là, ils s'arrêtent et ils reculent, ils sont assez bien en vrai dans le fight. Ouais, Zuiru qui veut dash là, une partition. Ils font n'importe quoi, Humanoid a le temps d'arriver, Razor qui a le temps de tank et ils se retrouvent tous coincés avec peu de CD.
Et là, leur partie devient extrêmement difficile, je pense, Zéro. Ouais. Parce que du coup, la condition dragon, ils l'ont plus. C'est un dragon partout maintenant. Et ouais, fallait pas y aller, hein. Fallait respecter cette règle, ne pas la laisser open. Et Razor qui récupère le kill 3-0, sachant qu'en plus il joue bot magique. Voilà, il est sur un spike, mais lunaire. Hein. 1500 gold d'avance à 12 minutes. Ah, le style est rentré, t'as tellement pas envie de le croiser là. Heureusement qu'il n'y a pas une Karma Mid ou une Renata ou un truc comme ça, sinon là ce serait encore pire, mais bon. Il pourrait courir partout sur la carte et faire à peu près n'importe quoi. Il peut probablement s'auto-suffire Razork, hein, au vu de la qualité de sa game. Il est dedans, il est dans son match. Le genre de trade, allez hop tiens, petit ward pour pouvoir étendre le trade. C'est d'ailleurs toujours aussi amusant quand même à regarder Zach. Bon, 3 grubs pour Fnatic. Razork avait fait le premier mais n'avait pas terminé les deux suivants. Je vois pas comment ils vont faire. Aurélion à 500 gold d'avance à 13 minutes aussi, c'est un petit détail, mais c'est quand même beaucoup pour un champion comme celui-ci. Clairement. En setup plus tard dans la game, ils ont Rell, Xin, Humanoïde secondaire de Zach. Enfin, genre là, vraiment, c'est la compo Fnatic devant à l'issue de l'early game. C'est sacrément royal pour eux. Faut voir. Si jamais Razork meurt, qui récupère le shutdown? Voilà, c'est un peu l'idée. Si jamais il y a un membre d'Heretics qui arrive à prendre ses responsabilités pour permettre à l'équipe de continuer leur route dans ce sprint split. Mais là, Power Spike, un item sur l'ensemble des joueurs Fnatic. On attend encore l'item côté de Zuru et Flakhead. Il va falloir des fights miracles, hein, mais... Oh, la partition impériale, le Zac devrait s'en sortir, il a beaucoup d'armure tout de même, 124 déjà. Il va même ramener le Azir. Il n'a pas son E. Très serein quand même. Il sait qu'il n'y a pas les dégâts sur le Azir à ce moment-là. Il n'a même pas d'item l'Azir, c'est à 15 non, minutes. C'est terrible. Il y a eu le passage sur les bots en 2 et là du coup on veut accélérer, on n'a plus de partition. Et on va venir récupérer tranquillement cette première tour du match. Il y a Aurélion qui aspire toute la wave, là il se régale dans gold et en XP. Ouais, du coup là. CS hein, pour Humanoid. Et la pression qu'ils ont du coup sur le bot side. Oscar va TP normalement à la top lane pour pouvoir défendre cette tour. Les Fnatic. À part s'ils ont envie de commit bot. Hein. Les Fnatic qui ont activé le mode Fnatic là. Ça snowball tranquillement. Premier tour du match pour Aurélion Sol. Hein. En fait, les Heretics. On en parlera après car il y a une TP, une tentative sur Humanoid qui va se faire réceptionner. Ultimate à quasi bout portant de la part de Yanko, ce sera la mort. Le kill ira sur le Alistar. C'est parfait afin de perdre un peu plus rapidement cette game. Oh non. Le shutdown 450 gold pour le Alistar. Pendant qu'il y avait Zviru qui était là en mode je veux ma dent de Nashor. Et non. Non, ce n'est pas le moment. Aïe aïe aïe. Mais là, Heretics, choix du side pour ne quasiment pas avoir de win condition en early, ni vraiment en mid game, ni vraiment en late game. En face, compo Exodia. Razork fait un bon early game et c'est déjà trop. Hein. Déjà trop. Il y a encore des shutdowns à récupérer. Hein. Le Alistar peut se mettre encore mieux. Hein. Leur draft joue sur leur draft joue sur plusieurs tableaux, j'ai l'impression, des Heretics, sans pour autant avoir les meilleurs picks de la méta. Oh, attends, il y a un flash-in de Razork qui a tenté de smite, mais qui n'a pas réussi à l'avoir. On a le flank. Ici. Il va se faire cancel par Yanko, cela dit. Ça a même l'air de vouloir go in. Ils se raviseront. Ah, il est le shutdown avec son E, le Alistar, on nous dit apparemment. Donc c'est même pas l'auto-attaque, quoi. C'est... Ok. Malheureux. Malheureux, Trimby. Je pense que lui aussi, hein, il aurait pas voulu le récupérer. Mais bon, ça se passe comme ça. C'est pour ça que je suis pas fan du pick Alistar, parce qu'ils ont quand même pick tardivement. S'ils avaient joué un Thresh avec un Varus Hail of Blade, un Azir qui fait sa game, qui sert d'assurance Kalig, ils auraient pu jouer leur early game et compter sur ça. Et là, je vois pas trop sur quoi ils auraient pu compter early, tu vois, étant donné que le Varus joue l'étal tempo et le Alistar phase rush contre Rell Aftershock Ignite et Jinx. Midlane, on a vu que l'Aurélion avait la prio. Top lane, il a le match-up. Ça devrait pas arriver avec le choix du side. Oh, attention, tentative d'engage. Razor qui a tout de même réussi à placer sa garde circulaire à temps. On est maintenant un peu bloqué pour le Cassanté qui arrive à se repositionner. Trimby
en train de regarder pour une engage éventuelle, mais on est déjà low life pour ce Alistar. Le flash in qui va pas passer, l'apocalypse arrive. On utilise l'ulti pour ce Alistar, mais c'est surtout le Azir qui va tomber. Et Noah maintenant, qui est avec sa Jinx, n'aura pas les dégâts pour faire tomber Yanko. C'est le shutdown de Razor qui a tout même été récupéré par Wunder. Mais attends, Razor qui avait des miettes de chips sous sa touche R ou. Non, il l'a utilisé. Il a ulti ? Ok, parce que. Ouais. Il a ulti à quel moment ? Tout au début du fight, pour bad. Tanker genre ulti c'est Johnny et je ulti Varus. Je vois up son ulti là. Si tu regardes très très bien, il faut bien zoomer, c'est encore faut zoomer plus que les stacks. Mais c'est un peu sombre. Je vais sortir mes jumelles pour la prochaine fois. Là tu vas le voir, il va l'utiliser genre là sur l'ulti Varus. Et là il est sous ulti. Ah oui, c'est vrai qu'il l'a mis. Du coup, c'est exactement la même zone que l'ulti ouais, de Sejuani. Superposé. Ouais. Franchement, GG à toi pour moi, parce que je pensais pas qu'il avait ulti, je pensais que c'était la zone de Sejuani. Mais là, du coup, il y retourne sans flash, sans ultime, et la partition impériale le punit. Ah, le trade est bon quand même de la part de Zuru, ça permet de récupérer le shutdown, mais encore une fois, sur le cas santé. Là, on a quand même eu un fight assez lent et un peu décousu où ce Varus Lethal Tempo a pu un minimum s'exprimer, ce qui était pas mal pour les Hérétiques, honnêtement. Mais on sent qu'il va en falloir un peu plus car en face ça scale la vitesse grand V. Le Aurélion et la Jinx à deux items vont être très durs à gérer. Ouais, mais là, belle accélération de la part d'Hérétiques. Récupère une tour à la mid lane. N'aura pas la charge du héros sur une seconde, malheureusement. Maintenant, il faut tout de même réussir à récupérer les waves en side assez rapidement, quoi. Clairement. Et je trouve que dans ce fight en mid lane, on ressentait un petit peu la pression, notamment, et les enjeux de ce BO. On a une game quand même assez calme. Alors, dans les games un peu tendues, parier sur autant de scaling que ce que Fnatic vient de faire, c'est commun. Mm-hmm. C'est commun et ça a fait ses preuves. Après, je pense que les Hérétiques sont la place de gagner sur des outplays mécaniques. Oh, attention, bah comme ça. On se fait directement amener sous la tourelle l'ultimate du Varus qui va pouvoir commencer à stacker. Attention tout de même à ce couloir qui peut être avantageux pour le Aurélion Sol, mais non, Wunder récupérera le kill. On a envie d'aller pour potentiellement sur le côté Oscarine qui a essayé d'attraper le midliner, mais c'est plutôt le midliner adverse humanoïde qui mourra contre les 4 joueurs Hérétiques à gauche du fight. Zuru qui au final aura gagné du temps sur le côté. Et Trimby, toujours la pression de ce Zac. Trimby, joli comme catch. Protège sa vision, punit immédiatement June. Le cancel pendant son Z. Wunder qui va également cancel l'envol du manoïde. Non, c'est beau, c'est vraiment beau comme catch. Genre de choses qu'on va chercher du coup pour Hérétiques. Et ce que je disais avant ce move, c'est que Hérétiques ont quand même la place pour l'outplay mécanique entre la partition impériale, le Alistar, les cancels possibles. Contre des champions comme Rell, Zac, ils arrivent à effectuer beaucoup de cancels. Ça peut faire. Il y a le rallye. Il y a le Riley. Et Wunder va être bloqué pendant un bon moment. Jankos qui essaie de protéger son top laner. Le Ghost a été claqué pour Wunder. Et heureusement que Cassanté est sorti il y a moins de 2 ans sur League of Legends. Hein. Sinon, il était totalement mort. Il y avait juste le Aurélion qui a appuyé sur sa touche. Qui lui a dit hop, tu es slow, tu ne bouges plus. En arrivant avec 550 de move speed ou presque. C'est tout de même assez lunaire. Mais bon, c'est Aurélion. On connaît la puissance de ce champion avec les items actuels. Et son win rate en ligue majeure. Ouais. Il est bien draft ici pour le coup par les Fnatic. C'est la réponse qu'on voit de plus en plus à Azir. Ouais. Et si au bout d'un an ça décourage d'avoir des Azir à tout va, ça me met bien. Et si Aurelion devient la réponse à Azir à la place de Corki, ça me met bien aussi. Hein. C'est vrai que c'est agréable à regarder quand il y a les petits ultis là qui s'étendent sur toute la map. Et j'ai l'impression que ça met tout de même encore plus le. Genre un compte à rebours sur la tête adverse. L'épée de Damoclès est encore plus violente qu'un Corki late game, quoi. C'est vrai. T'as vraiment l'assurance de poser tes dégâts, quoi. Tes roquettes, tu peux les rater, il peut y avoir un healer en face, tu peux rater tes packages. Alors qu'Aurélion, t'as ce côté un peu plus safe où tu vas garder tes distances et où pour rater ton ultimate, il faut littéralement faire exprès. Mais genre premier degré, faire exprès. Parce que même si tu lâches à la mid lane, t'es presque sûr de toucher au moins une personne. Ou par contre on accélère là pour les Fnatic, on s'est regroupé, on a une engage qui est arrivée sur deux fronts et on a déjà éliminé Yanko, c'est Plaqued avant même qu'on ait le temps de réagir pour Hérétiques. Ah, c'est allé très vite, il n'y a pas eu de cancel de la part des Hérétiques et ça enchaîne directement sur le Baron Nashor. Ils ont tout de même de bons dégâts, hein. Jinx à la mitraillette, de Xin qui met un petit peu de dégâts aussi avec son stuff et surtout Humanoïde qui vient d'arriver. Ok. Aurélion Sol. On est au courant tout de même pour les Hérétiques.
Mais est-ce que être au courant va changer quoi que ce soit? C'est juste abandonné, pas de ouais. Smite, un Zac qui zone au mid. Et les Fnatic font le break dans ce BO et dans cette game. Je suis impatient de revoir le move parce que je suis tout de même assez étonné qu'à ce moment-là de la partie, ils aient réussi à avoir un double flank de la sorte. Ah non, il y avait bien des wards de tous les côtés. On était bien au courant et on est passé par la grande porte sans aucun souci. Le Aurelion Sol qui tanque la tour jusqu'à ce qu'elle meure. Simple, rapide, efficace. Encore t'es pas prémuni quoi. Je comprends pas comment tu peux laisser Rell open pour ensuite, il semblerait, ne pas récupérer de réel avantage, que ce soit jungle ou support, dans les rapports de force. Mm-hmm. Je sais pas, peut-être on rate un truc, mais je sais pas trop quelle était l'idée derrière la tête des Heretics. De toute façon, Rell, c'est la seule fois qu'elle a été disponible du BO, on voit immédiatement. Hein. Parce que c'est justement le fait que cette Rell puisse être flex qui font aussi notamment que les Fnatic ont une très bonne draft. Au-delà de la puissance du pick in-game, du scaling aussi du pick in-game. Ouais, et là les Fnatic jouent en plus bien ce Baron Nashor. On rush pas le dragon de manière aveugle. On a gardé un peu la position. Oscar qui a gardé ses distances. Et on va déjà récupérer une T2 et maintenant on va engager. Maintenant qu'on a un flanc sur plusieurs côtés. Wunder qui va essayer de se mettre en opposition au Raylan Soul et à la Jinx. Il gagne même de l'espace pour permettre Flaked à ses carrés de taper. Et Flaked est très très bien. Flaked est free DPS, le Azir aussi. Attention, cela dit, les dégâts du Aurelion Sol. Vous calmez les Heretics. Ce ne sera qu'à 1 pour 1 pour l'instant. Support pour jungler. Mais le résultat est tout de même bon pour les Fnatic. Ce dragon est gratuit dans la river. Est-ce qu'il est vraiment gratuit? On n'a pas de smite. Oh non, ça a l'air de vouloir répondre. Ouais. Il y avait la back TP de Wunder, c'est pas abandonné. Du coup, attention, il se fait cesser, il se fait brûler par le Aurelion. Et il y a un flanc d'Oscarinine jusque derrière qui va tenter l'engage. Il se fait stopper par Yanko, c'est très bon. Mais la réengage de Jude avec sa rel est excellente. Edouard et Free DPS, il envoie les roquettes une par une sur son adversaire. Et survivra sans problème, double kill avec Oscarinine qui finira le travail dans la backline. C'est emballé pour les Fnatic, il semblerait. Ah, le dragon est maintenant validé, il n'y a plus personne qui va pouvoir le défendre. Oh, petite tentative, nouvelle fois de la part d'Oscar. Et il va perdre son passif pendant qu'Humanoïde, malheureusement, s'est fait arrêter son souffle également. Petit shutdown pour le Azir normalement. Oh non, oh non, oh non, il va mourir et Humanoïde va également TP le flash-in de Trimby. Humanoïde, l'énerve solide. Il a voulu sauver son collègue, voilà, c'était un petit peu compliqué. Là, il y a encore une fois eu un scénario de fight assez bien pour les Heretics où on voyait ce Varus pouvoir fonctionner dans ce setup. Ça n'a pas été suffisant parce qu'en face, bah, Aurélion trop big dans la partie. Bah là, Flaked est quand même super bien placé. Enfin, l'ulti de Razork repositionne Flaked. Oh, le fight d'Oscarinine sur son sac. Il a raté ses 4 spells à la suite, littéralement. Mais il meurt pas pour toucher son Q-spell, mais il avait pas touché le Q-spell avant. Et après, il a ulti, l'ulti n'a pas touché, il s'est fait full kite. Mais il tank, au moins il a tanké pour la team. Sa barre d'HP est une ressource, on va dire ça comme ça. C'est ça. Dégâts que prend Wunder à l'issue de sa TP, c'est dingue. Hein. Il est réceptionné par les trappes de Jinx et les dégâts sont installés. Et là, Flaked tente de répondre. Ah, c'est plus le replay, on est en live. Je croyais que c'était la fin, le move d'après. Petite tentative d'engage de Yankos qui ne passera pas. On va défendre tout de même cette T2 pendant un peu plus longtemps. Baron Nashor n'est bien évidemment plus entre les mains des Fnatic. Mais on a toujours un bon contrôle sur la carte. Les trois lanes sont poussées si loin. Et là les Fnatic en situation de siege, ils ont une Jinx, ils ont un Aurelion, ils ont une Rell qui va directement, ils ont peur de rien, mais ça réagit très bien côté Heretics. Tribi qui va calmer son vis-à-vis, le Zac qui se fait attraper et découper par les dégâts de Azir et Varus. Les Fnatic qui se sont sentis beaucoup trop beaux face à leurs adversaires ici. Il faut quand même respecter le front to back de Azir Varus et d'un Alistar qui peut te calmer à l'engage. Ah, il a été renvoyé très très loin avec sa Rell, mais on veut tenter un peu trop fort. Ça fait tout de même une T2 qui est récupérée. On a même flash in. Trimby a très bien réagi. Wunder également. Ouais, ouais. Karinine qui se fait juste shine CC. Il se fait grab par le Cassanté. Phase de jeu délicate. Après, je trouve que, c'est mon avis, je trouve que June fait pas un BO de fou, tu vois, sur les 3 games. C'est pas son meilleur BO. La première game, il passe un peu à côté. Ouais. C'est là, bon, il a Rell, donc forcément,
ça aide un petit peu. Bon, en vrai, ça ouais, il fait quand même une game honnête. Mm-hmm. C'est Noah et Humanoid, bah, comme d'hab, hein, discrètement, font un taf de fou. Hein. Sa game de Zeri, Noah, bah, on peut dire, permet peut-être de ne pas laisser un 2-0 aux Heretics. Clairement. Clairement, le et là, il est toujours pas mort avec sa Jinx. Le premier quadra kill est un très très beau move. Et il est toujours bien en place. En effet, pas encore de lame d'infini. On a fait un passage tout de même sur le Dominique. Quand on voit que tous les fights se jouent un peu au front to back, que les front lanes doivent tomber avant, on comprend. On comprend. June qui arrive à s'en sortir. Là, encore une fois, il également répète la même chose. J'ai l'impression qu'ils vont au mid par défaut comme ça. Après, quand je regarde Fnatic, la wave top est encore poussée à leur avantage. Après, la wave bot a pas été fixe. Mais pour Fnatic, en avançant de manière un peu random comme ça au mid, ils donnent des opportunités de comeback en front to back, comme on l'a vu durant le dernier fight, hein. Plus la tourelle du Azir ici. Il y a encore c'est vu, hein. J'ai pas l'impression qu'ils capitalisent quoi que ce soit en fait, ou qu'ils aient une opportunité de se créer un flank. Mais là, c'est bien. Là, ils reculent vers le Nashor. Ils vont jouer avec le Fog, et ça, c'est une bonne chose. Ils ont la pression des dégâts sur ce Nashor, on l'a vu tout à l'heure avec Jinx et Aurélion, ça va très très vite. Ah, c'est bien, les Fnatic qui bah, avaient besoin aussi entre guillemets de se boire au Nashor pour appliquer un plan de jeu plus décent ici. Alors, faut tout de même faire attention à Zuirou qui vient de passer niveau 16 et d'acheter son Rabadon. Le Azir est en place, si tu lui laisses un peu trop de temps, il va également montrer ce dont il est capable. On n'a pas encore de niveau 16 de disponible du côté de Fnatic et la rame commence à être longue. 350 stacks Aurélion. Les zones commencent à être conséquentes, surtout bientôt niveau 16. Là, c'est vraiment de la RAM, les gars. Et un ulti bien chargé, prêt à tomber du ciel. Et une T2 à la top lane qui va tomber, hein, si on laisse encore un peu les creeps s'en occuper. Mais aucune des deux équipes n'a envie de jouer sur les sides pour l'instant. On veut tenter un back TP d'Humanoid, mais il va être cancel. Petite tentative de la part de Razor, que Yankos qui va complètement louper son ultime, l'Apocalypse qui arrive, Oscar qui va tenter d'aller très très loin, et il va être ramené dans sa backlane. Trimby lui a donné un aller simple vers le Azir et le Varus. Mais attends, mais qu'est-ce que je viens de voir là? Non, 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 ça va se terminer comme ça. C'est terminé. C'est terminé sur une engage. La partition impériale était venue bloquer le Zac, mais Trimby a fait. Oscar, mon ref, va sur mon Azir, va sur mon Varus. On va voir le replay parce que ça. Je vois que tu es. Ça décide le BO en fait. Parce que en fait, entre un Zac qui a un free accès backline et un Zac qui se fait repousser par un ulti Azir, bah oui. Le jour et la nuit. Mais c'est là, terminé Oscar comme ça. A eu un impact de fou furieux. Le split d'Heretics est terminé comme ça. Bon, après, les Heretics avaient tout de même eu beaucoup de mal dans cette partie, hein. Ils ont toujours été beaucoup en retard, il y avait la pression de la Soul en face, la draft a été très bien gérée par les Fnatic. Ah ouais. Bon, Trimby se rend compte quand même de son dernier fight. Abattu. Ah, c'est rude, hein. C'est rude. Du coup, les Fnatic qui accèdent au top 4. Qui accumule des points de championnat et qui ont pour objectif de retourner en grande finale affronter à nouveau les G2. Mais ils devront passer encore un match face à Vita ou Mad en fonction du résultat du BO qui va juste arriver après. Et pour le MVP, vous pouvez bien évidemment aller voter sur Twitter, mais c'est Noah tous les jours. C'est game 2, game 3, le mec il est là, il n'y a vraiment rien à redire. Donc il pourrait aller récupérer son titre bien mérité. Et du coup, les Fnatic valident donc leur place. Fin de game. 10 minutes d'Aram pour ce fight final, c'est quand même, c'est quand même peu explicable. Ouais, mais j'espère qu'on arrivera à trouver une explication. On va passer un peu plus de temps à l'analyse desk pour en trouver une. Après une petite minute de pause, à tout de suite. Allez, victoire des Fnatic. Mesdames et messieurs, tous les fans Fnatic, les FF, tels qu'on les appelle, doivent être aux anges. Malheureusement, fin de parcours pour Team Heretics. Et une dernière game, honnêtement, qui nous a un petit peu coupé dans notre élan. On est là pour revenir dessus. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir d'accueillir... Enfin non, c'est pas nous, mais il y aura une interview d'Humanoid. Je suis chauffé, j'avoue. Évidemment, je me suis chauffé un petit peu. Mais messieurs, voilà, elle nous a un petit peu coupé dans notre élan, cette dernière game, parce que... Franchement. D'ailleurs, la régie. Oui, quoi? Bah. Ah oui, c'est vrai ça, derrière nous là. C'est qui a gagné? C'est Heretics? C'est quoi ce travail? Bah. J'exige réparation. Bichente. Sublime.
C'est bon. 10. Non, c'est bon, c'est bon. 9. Ok, c'est bon, pardon. Ouais, à la draft, les gars. On était tous là en backstage. Bon. Bah oui, moi je pense que pour Fnatic, elle est très très bonne. J'ai l'impression que le match-up Aurélion d'Azir est vraiment bon. T'as un first pick Grell qui est crackbroken. Tu te retrouves avec Jinx, il n'y a pas Zeri en face. Il y a un Varus qui est quand même pas horrible, mais c'est pas insane. Azir, mais le last pick est Alistar. On Azir, s'arrête dessus ou pas, hein. Je suis pas hype. Et Alistar, c'est parce qu'il est en mode bah, j'ai Alistar contre Rell, Zac et tout, je vais les bloquer, je vais être chaud. Ouais, ouais. Sauf que je pense que c'est pas un bon pick de Trimby. Et l'idée, je la comprends maintenant dans la réalité. Pas ouf, c'est Alistar. Pas ouf. Robalas, alors. On parle de quoi? Alors, on a beaucoup parlé de Noah avec Marex et Zerotic, puisqu'il s'agit certainement du joueur le plus irréprochable overall du côté du papillon. On échange un peu sur Assol, Roba. Oui, bah après, je pense que juste, de toute façon, comme vous avez dit, hein, la draft, Fnatic a win the game, quasiment. Ouais, s'ils font pas de majeures erreurs. Après. Bah Aurélion Sol, en vrai il fait pas la meilleure des games d'Aurélion Sol, je trouve. Il y a des petits trucs mécaniques à droite à gauche où il a pas été insane Huma, mais ça va, tu vois, c'est pas non plus horrible. Juste trouve que, enfin en tout cas dans ce BO, Fnatic m'a pas convaincu, tu vois. Bah ouais. J'ai le même problème que Roba. Genre là, bon contre G2, je me dis ils se sont pris un reality check, ça va taffer. Et je pensais qu'ils allaient arriver, je m'attendais à un 2-1, je m'attendais pas à 2-0. Je pensais que ça allait être close, mais... Je sais pas, même dans les victoires, tu vois, je trouve qu'il y a des erreurs, c'est laborieux. Et du coup, ça me rassure pas pour Fnatic pour la suite. Parce que en réalité, on verra Vita après, enfin, on verra le prochain BO. Ouais. Mais même contre un potentiel BDS qui est pas favori contre G2, bah, je les vois pas passer en fait. Ouais. Actuellement, je les vois pas passer. Il leur reste du temps et ils vont pouvoir. Ouais. Enfin, il leur reste pas tant de temps que ça en réalité. Non, il reste pas tant de temps que ça, il reste une semaine. Hein. Mais bon. On verra, hein, ils auront peut-être un déclic, parce que honnêtement, je trouve que ce BO est pas un bon signe pour Fnatic. Ils gagnent, mais difficilement, enfin tu vois, la game d'avant, il y a quand même Noah qui doit sortir un 14-1, des flash in en 1v4 où il doit clutch quasiment Pinta solo. C'est pas rassurant. Ouais, on verra. Donc les Fnatic pour l'instant qui sont pas forcément dans une meilleure posture selon nous. Qu'au Winter Split, c'est-à-dire en tant que quatrième. Non, cinquième maintenant, j'ai décidé. Je crois que c'était 4. Non, maintenant c'est 5ème. Parce qu'ils sont perdus contre Mad. Maintenant c'est 5ème, j'ai dit. Ok, bah tu iras t'embrouiller avec. Bah on verra entre Vita et Mad. Ah, non, merde, ce sera déjà 4ème. Merde, je suis con. 6ème. Je ne te suis pas. Tu m'as perdu, mais d'une puissance. J'ai utilisé trop de chiffres pour toi en peu de temps. Après, Heretics, quand même, respect. Il y a eu un niveau de jeu qui était relativement correct par rapport à la lineup, je pense. Je pense que Zuru a fait son BO. Trimby a eu un petit peu de mal, par contre. Trimby n'a pas été très, très bon ce soir. Progression pour Team Heretics, quand même. Là, on parle d'eux comme si c'était finito. Mais voilà, on va revenir sur les Team Heretics. Mais un meilleur résultat qu'au Winter. On va les rejoindre du Manoïde pour recueillir ses impressions suite à la victoire du jour. And welcome back to the LEC. After what was the best mic check, I think, to pre-plan this interview, Marek, thank you so much for joining me. Congrats on taking this one. Any words on what we just saw right now? And listen to? Yeah, I mean, we need to improve if we want to win more. So, yeah, that's it. I think focusing on improving is always good for teams. And I know that before this series, you told me, maybe we got better, maybe we didn't, but we will see. In the end, I don't think it was as clean as you guys would have anticipated, but what is next? How do you make sure that you're going to have clean games moving on? I mean, I think it for sure was better than last week. Yeah. But I think it was, you know, pretty far from clean. Mm-hmm. So, I don't know, we just need to do better next week on Monday. A bit more in game. What happens? When do you guys lose control? Because I know that Razork was talking about this in a video that we aired earlier today, the fact that there's a lot of individually really, really good players, but it's about the way you guys come together that makes it messy sometimes. Tell me about the lack of discipline from you guys. I mean, I think it just comes from us having pretty bad 2 weeks and it just kind of snowballs out of control. We had a pretty bad practice and pretty bad series on stage. I think we're kind of picking it up now to where we were during the regular split, but we still have a long way to go. How difficult is it, though, to trust good practice? Because I hear so often that scrims don't go well, stage games go well, and vice versa. How do you make sure that a week of practice is actually translate to good results on stage? I don't know, to be honest. Yeah, okay. Usually, like when you have really bad scrims, or for some teams, you can have bad scrims and then play well on stage.
But I think for us, if we have really bad week of scrims, we are also playing bad on stage. Okay. So that's it, yeah. Trying to find the formula here. I will switch on the next series. We have the players getting ready behind us. Vitality versus Mad Lion Core. I don't want to have a prediction for you. I want to have hot takes. What do you think we're going to see during this series? It's going to be a complete storm from Vitality. I mean, there's storm nothing from Vitality. Yeah, that's right. We'll see about this. We're minutes away from the pre-match. We're going to run Karzy's mic check. Anything that you remember from Karzy and his comments in a in-game? Yeah, I mean, he's like, if you go to the zoo, you know, you go to the monkeys, it's like, sounds pretty much the same. All right, well, let's find out now. Marek, thank you so much. Thank you. And let's listen to Karzy's mic check. Ok, on apprend des choses. Bon, on n'aura pas ce mic check à vous passer. Si vous voulez, allez voir directement du côté du LEC Karzy au zoo. Donc, enfin bref, on résume très rapidement. On commence par la fin. Donc, Vitality qui écraserait Mad Lions Koi selon Marek Brzeza, donc humanoïde, le millénaire de Fnatic. Et concernant les résultats un petit peu fébriles du jour, pour lui, c'est une question d'entraînement. Lorsque les Fnatic s'entraînent mal, qu'ils ont des mauvais résultats en match d'entraînement, ils jouent mal on stage. Après, il n'a pas beaucoup plus élaboré, pour être tout à fait honnête avec vous. Il a plutôt un peu tourné autour du pot, en quelque sorte. Mais voilà, practice. C'était pas clean, on a encore beaucoup de travail. Bref, le discours qu'on entend. Ouais, ils sont en période de play-off, je pense. Après, c'est vrai qu'en saison régulière, il y a un moment, ils ont battu G2 de manière convaincante. Je pense qu'ils avaient à cœur de mieux performer et ils ont été déçus par le 2-0 qu'ils ont pris. Quoi. Peut-être que je dis de la merde, mais je pense que j'ai deux. Chill la game. Mais vraiment, genre, ils pissent chill la game, ils en ont rien à faire. Je pense qu'ils pissent chill l'Europe. Donc tu peux me donner les sides, Bichente, s'il te plaît? Merci beaucoup, tu me l'avais déjà dit, j'avais complètement zappé. Mesdames et messieurs, il est temps de passer à Vitality B contre Mad Lions Koi. Vitality B. Tu m'as même pas corrigé, traité. Non, parce que moi aussi je suis habitué à dire Vitality. Ouais, on est d'accord. Vitality tout court contre Mad Lions Koi. Vita occupera le côté blue de la faille de l'invocateur. A tout de suite sur OTP.